bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans ce replay de la Grande Arène. J'aurais dû aller me chercher de l'eau avec le ventilo en pleine face, je suis absolument desséché. Ça sent la défaite, et 7 gels en Kyber 3, c'est relativement rare, tu m'étonnes. Donc en face, on joue contre un mot, on joue contre RMC, incroyable, Radio Monte Carlo. On est, vous avez vu, sur 2 victoires consécutives et 2 victoires contre des FR. Donc le match contre Daishan, je vais faire comme ce que j'ai fait d'habitude. Je l'ai enregistré, je ferai un commentaire, puis je le reposterai juste avant le démarrage du prochain 3v3. Vous savez, je fais ça à chaque fois, j'enregistre le dernier match et puis je vous le reposte. Donc j'avais joué contre Kira de chez Green Alliance, il me semble. J'avais fait une victoire assez sale, j'étais pas... J'ai réussi à clean, mais heureusement qu'il a été coincé un petit peu sur ma def, parce que j'avais eu du mal à finir là. Et ça a été un petit peu la même chose contre Daishan, donc qui est de Oka Prime. Et heureusement, encore une fois, que la def dans le fond a un petit peu fait le taf. Je me suis retrouvé à galérer comme pas possible sur, vous allez voir, une Tosken. En fait, j'ai lancé le combat, je sais plus ce que j'ai envoyé en premier counter, mais j'avais pas vu qu'il y avait en dernier celui-là avec l'Omicron, j'en voyais pas de mais. Et en fait, j'ai pas vu qu'il était là, donc j'ai très rapidement sorti la guerrière, sans trop de difficultés. Mais alors, en fait, je me suis retrouvé comme un con, sans AOE, à pas pouvoir gérer ça. Et en fait, dans ce qui me restait, mine de rien, bah, j'avais plus rien. Pareil, le Vador, j'ai envoyé un compte sans... non, j'ai envoyé quoi? Qu'est-ce que j'ai envoyé sur Vador qui n'a pas marché? J'ai envoyé un truc, ça n'a pas marché. Non, mais c'est vraiment lui, j'avais pas vu l'Omicron et j'ai galéré comme pas possible. D'ailleurs, j'ai oublié. Mais je pense que je mettrai en défense la prochaine fois cette compo-là parce que si on a plus ce qu'il faut, ça peut vraiment prendre du temps. Hein. C'était vraiment de la merde cette compo. Mais voilà, en tout cas, 2 victoires contre les 2 FR. Donc j'étais plutôt content. Voilà, ça fait toujours plaisir. On a toujours un petit peu de pression quand on joue des FR. Et on joue donc contre RMC, un joueur de chez Mo. Sur lequel, une fois n'est pas coutume, j'ai l'avantage de PG. Donc ça sera important si on exéco. Vous avez vu qu'il y avait un très gros score. On a, bah, comme d'habitude, toutes les GL qui sont là. Reva, double Omicron qui est présente. Voilà, on a tous les persos, il n'y a pas trop à tortiller. On a un R9 Christian Omicron, ça c'est toujours relou, un Jabba R9, donc ça c'est toujours pénible. Hein, voilà, c'est pas mon truc préféré à affronter. On a une serrée avec l'Omicron. Donc vous allez voir, j'ai fait un petit peu mon plan. Donc lui, gros score en face, hein, vous avez vu, 2029, alors c'est pas les 2000... les 2083 dont nous parlait Bébé Patron tout à l'heure. J'ai dû un petit peu modifier ma def et j'aime pas du tout. Oh là, Afra a fait le taf, heureusement, merci à elle là. Sinon, il n'y avait pas de fail en face. J'ai une DR Talon, vous avez l'habitude avant, d'habitude c'était une DR. D'ailleurs, elle est QR6, tiens. J'avais une DR Savage qui était très très bien, qui forçait un petit peu des grosses compos. Là, clairement, ça n'a pas été le cas et ça a été le tournant, je pense, dans ma défense. Mais j'en ai besoin de ce Savage parce que j'ai pas de bon contre à Reva. Et ça m'emmerde beaucoup de pas avoir ça. Et du coup, mine de rien, je pense que ça décale tout parce que là, elle a dû pouvoir envoyer, je sais pas, peut-être même juste une Vador toute bête en fait. Mais ouais, je suis en train de me dire, ça se Vador, mais tous les jours ça. Là où avant, quand il y a Savage, je suis pas sûr que Vador passe. Et je suis pas sûr que. Voilà, après, si on est obligé de lâcher un si ou quelque chose comme ça, je pense que ça décale pas mal la map derrière. Donc je suis un petit peu embêté. Vous voyez, derrière, il a pas été tout surpris. Il n'a pas du tout été surpris, pardon, par ma défense, qui a fait le taf, vous avez, sur les 2 premiers matchs. Le JMK et le LV planqué derrière, ça a fait bizarre. D'habitude, il y avait une Reva, en fait, derrière. Donc, je pense que les gens gardaient Trium. Et là, d'un coup, paf, vous avez une JMK, ce qui contrecarre un peu les plans. Donc, je pense que ça fait bien le taf sur les 2 premières manches. Ça ne l'a pas fait sur celle-ci. Au nord, mon nord est beaucoup trop faible. J'en suis rendu compte sur les manches d'avant. J'ai failli me faire surprendre à cause de ça, d'avoir un nord vraiment trop facile, trop accessible. Mais si, j'ai changé mes Tusken, ils sont là. Mais c'est beaucoup trop simple de passer mon or et d'accéder au vaisseau. Et si moi, pour la moindre raison, j'arrive pas à clean quelque chose, je me retrouve un petit peu embêté. Donc voilà. Tac. Ensuite, le vaisseau, pas trop de difficultés. Pour lui, donc 2025, ça fait 2045 sans le fail. C'est pas un score incroyable. Vous voyez, tout à l'heure, sur un full cheese, Bébatron nous a parlé d'un 2082. Avec, même sans parler de ça, un 2070 sans fail et accessible, ça veut dire qu'on pourrait peut-être se permettre
deux fails si on est propre. Après, ce n'y a pas forcément être le cas, vous allez regarder un petit peu la défense qu'il a proposé. Donc on a une Ray Honor, donc avec une armurière. Je sais pas trop si ça va gêner mon contre Starkiller. On verra sur le papier, je vois pas trop. On a une serrée sur laquelle j'aurai mes gardes gaz, mais vous allez voir que c'est pas trop possible à cause du sud. Et après on a du classique là-dessus, ça va sûrement finir en unité. La Qui-Gon sûrement en ut, où on verra un petit peu selon ce qu'il y a derrière. Et donc son sud me pose un peu de problème, parce que là on a que deux GL apparentes, ce qui me pose un petit peu souci. Il y en a forcément une cachée derrière. Vu son historique, c'est plutôt du LV, j'ai l'impression. On va voir. Mais donc on a ces Tusken sur lesquels j'ai prévu de faire. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Pourquoi j'ai écrit Finn? Je me suis trompé, c'est des Tusken qu'il y a. Donc ça change complètement mon plan. Ça change complètement mon plan d'avoir des Tusken. On va voir ce qu'on fait, on va réfléchir. Pas ce que j'ai fait l'autre fois, clairement. Mais ça va être relou. Une gasse sur laquelle on va faire... Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ah! Mais non, en fait. Voilà, non, je vais pas vous expliquer les détails de pourquoi j'ai fait une boulette, mais ok. Ok, donc c'est ça. Tusken, j'ai prévu Qui-Gon Omicron là-dessus. Voilà. La gas, j'ai prévu d'y aller en Reva. Ça a l'air d'avoir plutôt un bon win rate. Sur la DR Malak Bastila, j'ai pas trop le choix que d'y aller en Si. J'ai pas envie de tenter le Vador. À mon avis, ça ne passe pas, je pense. Salut Madja, bienvenue. La Malgus, du coup, eh ben, ça, là où je vais sortir mon gaz, donc il pourra pas être là pour serrer. Je sais pas trop ce que je vais faire sur serrer. On verra, il restera sûrement en JKR, on va voir. Et donc la Jabba, c'est le classique SLKR que je fais dessus. Ce qui fait que j'ai JML, Trium, JKL, CLS, ce genre de team qui me reste pour la suite. Et d'autres, hein, bien sûr, pour envisager du Dash, du Radius, on a tous les BH, donc les incubes à consommer. On a un petit BAM, on a une Padmé guidée, donc qui est possible, un GG, un Wampa. On aura des petites choses, donc on a de quoi s'adapter, mais il ne faut pas que ce soit du trop lourd derrière. S'il y a LV et JMK comme j'ai fait, eh ben je suis dans le caca. Il ne met pas souvent sa Reva, mais s'il y a, j'ai mon Trium avec Savage. Donc voilà, je joue contre Radio Monte Carlo d'Arcade, tout à fait. La présentation est en fait, je vais aller me remplir un verre d'eau parce que je suis desséché. Donc on va démarrer ce match. On va démarrer ce match, écoutez, par ce qui peut me faire un peu peur, parce que mine de rien, on est sur du R8. À quoi ressemble Datacron? Protection, etc. Ok, donc j'ai prévu du Qui-Gon Omicron. L'avantage du Qui-Gon Omicron, c'est que déjà je peux faire un taf avant même qu'il ne joue. Si jamais ils prennent un kill sur Qui-Gon, je peux reprendre derrière. J'ai une AOE pour tomber les deux en même temps. Les deux Tusken machin. Voilà, on va voir. J'espère ne pas time out, parce que si je fais un petit peu trop de dégâts et que j'arrive pas à les mettre bien comme il faut, à caler la OE, ça peut être compliqué. On va voir, mais je pense au moins tuer les deux autres. Donc on va aller chercher nos petits Jedi. La Qui-Gon Omicron, elle est là avec JK et Cam. Je peux regarder un petit peu, regarder trop. J'ai pas regardé les counters. Pardon, c'est là. Oui, j'avais un peu regardé pour le... Non, mais c'est quand on a regardé pour le Malgus tout à l'heure. Tac, tac. Et donc, on a dit les Tusken. Retirez-moi les... Donc, on a le Trium et on veut le garder pour derrière. Qui-Gon Omicron, 93% de win. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On est plutôt sur quelque chose qui devrait fonctionner. On va mettre toutes les chances de notre côté avec un Datacron avec moult dégâts critiques, évidemment. On va mettre celui... celui-là, c'est peut-être même un peu too much. Peut-être qu'on pourrait s'en servir ailleurs. On peut s'en mettre un petit peu moins énervé. Celui-là suffira bien. Quoique non. Oui, si. Si, on va prendre celui-là parce qu'il ne servira pas a priori. On va reprendre nos timecode. Tac. Hop. Et c'est parti. Ouais, celui-là, à voir. C'est quand même des gros Tusken, donc peut-être que c'est ça un petit peu le problème de des comptes comme ça, des gros comptes, c'est que d'un coup, un compte, peut-être les 5% de fail, c'est sur des grosses compos comme ça. On va voir un petit peu. Et n'hésitez pas à ramener du monde. Hein. Si on est 100, je vous raconte une petite anecdote qui m'arrive cet après-midi. On n'a pas la woodspeed, alors ça déjà, ça commence bien. Ok, donc la protop, c'est pas cool.
Ouais, c'est clairement pas cool. Ça va limiter. J'avais oublié le taunt aussi. Ok, c'est relou. On va essayer d'affaiblir les deux. Voilà. Ouais, dissiper, c'était pas forcément malin. Après, il va récupérer le taunt. Ok, là, peut-être que je peux tenter. Non, ça a pas marché. Ok. Bon, du coup, j'ai pas ma spé. Faut pas qu'ils aillent sur Qui-Gon. Ok, donc là, il y a le taunt. Ok, ils vont revenir tous les deux. Ok, bon, il va falloir... ouais, ça va être relou. Ça va être relou. As fuck. Faut vraiment attendre qu'il tue Qui-Gon. Je pense qu'il va pas y avoir trop de solutions. Mettre un brise-armure aussi par ici, ça aidera. Ok, avec la protap, c'est pas mal. Ça permet de les affaiblir un petit peu, peut-être pas trop rapidement. Ok, ça part ici. Faut que je plie les protop avant que ça joue. Oh, j'ai 10 stacks de machin là. Ah, plus j'ai le stun qui est pas cool. Ah, je perds mon tour bonus. Ah, c'est la lose. Ah, je me suis pas heal. J'ai 11 stacks. Je vais perdre. Vite, 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 vite. Le mode avion. Bon, alors j'ai. Oh. Tu veux toujours Paradus versus Tusken? Eh, franchement, la fois où je l'ai fait, mais j'ai tellement eu peur. Et non, et puis on a. Non, on a time out l'autre fois. Mais je l'ai fait hors stream. On avait time out. Bon, il y a trop de protop. Ça a pas marché, à mon avis. Ah, quoique, ils en ont. Ouais, ils ont trop de protop. Ça a pas marché. Ah, mais vraiment, c'est Tusken. Mais c'est la plaie. C'est la plaie. Je sais plus qui disait que les Tusken, ça valait rien en défense. Je me souviens plus. Mais c'est pas vrai. Bon, ben ça commence super ce stream avec un fail. Une question que je comprends pas. Pourquoi mettre le mode avion ben comme ça, sinon, si je perds comme ça, ils ont le. Ça s'appelle le TM chargé. C'est-à-dire qu'ils vont jouer avec les jauges qu'ils avaient à la fin. Donc si j'ai la outspeed, ça marche plus. Il n'y a plus la outspeed qui compte parce qu'eux, ils ont déjà de la jauge. Donc certes, ils ont des capacités qu'ils peuvent pas faire, mais ils lancent la team et ça peut être pénible. Bah du coup on va pas avoir trop le choix de Radus les Tusken, mais franchement avec ça passe avec l'Omicron du guerrier là. Enfin du pillard. On arrive à tuer les deux en même temps. Je sais pas, mais ce chef avec ses bonus de protop, qu'est-ce qu'il est relou. Là en fait ça a été horrible, j'ai pris le stun au mauvais moment. J'aurais peut-être dû faire gaffe à ça, à pas cibler quelqu'un avec 10 stacks pour pas me faire stun. Parce que du coup j'ai raté un premier tour, mais de toute façon il avait mis la protop. Oh ça commence, mais bon. On peut se permettre des fails. J'aurais préféré fail sur autre chose que les Tusken. Je vous avoue. Puis ben, on va faire Radus. On va faire Radus. Du coup, tu mets un tank ou tu mets le triple attaquant Loïc, dis-moi tout. Tu as 82% de win. Donc avec le gros bas. En Radus lead, qu'est-ce que ça dit? Tu as 48%, hein. Voilà pourquoi je le fais pas. Parce qu'en fait, c'est pas incroyable si à l'autre. Parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de time out sur le dernier. Hein. C'est ça la compo. 62% avec celle-là. Avec... Attends, c'est quoi la différence? C'est qui lui? Non, c'est Uro avec le pillard. Avec le pillard. Et là, il n'y a pas la guerrière. C'est peut-être pour ça que ça passe un peu mieux. J'ai regardé avec l'Omi. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a moyen que les fails, ça soit l'Omi. Hein. Il y a moyen que ça soit ça. Non, non, c'est pas une... C'est pas une compo évidente. Et non, pas envie de gâcher un gas là-dessus. Mais on voit, j'avais pas dû faire gaffe. J'avais pas dû faire gaffe. Le win 60%, vous voyez, ça tombe avec le Tusken Raider. Ça tombe bien. Hein. Et là, avec Gideon, franchement, je suis surpris. Hein. Les fails, c'est les Omicron. C'est pas possible. Vous pouvez pas tomber les deux en même temps. Vous avez pas d'AOE. Pareil en bad batch. Le combo des deux rend la team vraiment pénible. Après, ça me fait dire que peut-être en face, s'il a pu overkill cette team, ça veut dire peut-être qu'il a pas du lourd derrière. On pourrait envoyer un trium, mais si jamais il y a Reva derrière, on est dans le caca complet.
Non, j'ai pas le gars Kingside parce que tu sais, je suis avec le. Je peux pas me loguer sur ce compte. Je pense que c'est lié à un compte de gym, donc je peux pas. Ouais. Ouais, Géo, tiens. Elle est ouais, là-haut de d'Alpha. Chaud. Chaud. Ouais, bah écoutez, on va tenter Radus. Et là, l'idée... Donc, on a des AOE. Mais l'idée, c'est de tuer suffisamment vite. On a trois... Enfin, deux AOE. Et qui font pas non plus énormément de dégâts. Faut vraiment qu'il y ait des exposes et d'anti-heal qui restent longtemps. Tomber surtout le chef. Parce qu'en fait, c'est lui qui rend la prot-up et qui rend la team complètement relou. Mais le truc, c'est qu'on est toujours coincé derrière les taunts. Donc, on n'a pas le... Ouais, c'est dur de tomber les autres à côté. Les taunts sont assez persistants. C'est relou, hein. C'est une team relou, on n'a pas tant besoin de survivalité. En vrai, on a besoin de dégâts, surtout. Donc peut-être c'est le moment de sortir le fameux qu'on a laissé, là, le 114% de dégâts critiques. Peut-être c'est celui-là qu'il faut mettre pour tenter le coup. Le chat est silencieux. Le chat n'ose pas se mouiller. Ah, je suis ravi quand les streams démarrent comme ça par... par des bons gros fails. Ouais non, Radus c'est bas avec l'Omi. Bah ouais faut vraiment le bon timing. Mais je sais pas en fait. Je peux me permettre de... De toute façon on a déjà un fail là. Je peux me permettre peut-être d'essayer de tomber au moins du monde. Et avoir juste quelqu'un qui reprend les deux. Je pense qu'on peut peut-être réussir à tomber du monde. Putain, c'est vraiment con d'avoir tombé personne en JK. J'ai trop trop négligé les protop. Il aurait fallu que j'arrive à timer, ouais, je sais pas. T'as prévu gaz sur quoi? Gaz sur la Malgus. Et le truc, c'est que sur Malgus, je pourrais... Ouais, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas trop le choix de gaz. La Malgus, en plus, elle est open pour ça. C'est pas une grosse compo, donc ça va. C'est avec Talon et Maraudeur, je crois. Donc, normalement, ça se passe bien. C'est pas comme avec DR et Bastille. Je peux pas faire Palpamara, parce que Palpamara, j'en ai besoin pour Ray. J'ai pas trop d'autres choix pour Ray. J'ai le DR, c'est un peu obligé aussi. J'ai pas trop le choix d'essayer de tenter. Et si ça foire, c'est pas trop grave. Je préfère faire deux fails sur une team que deux fails sur deux teams. Allez, on va se tenter ça. On a mis moult DPS en espérant que ça passe. Et vraiment d'arriver à l'ulti, quoi, parce que c'est aussi le problème. Hein. La dernière fois, j'ai failli pas avoir l'ulti. Hein. Ok. On va se garder... Ah, un petit anti-buff, c'est pas mal, ça. Si on peut en coller un deuxième... On dit pas non. Ok, voilà un anti-buff. Ça sert à rien d'AOE, là. On va se garder l'AOE pour le moment à propos. Ça sert à rien de prendre un stun pour rien. Si on arrive à... Si on arrive à ce que les deux anti-buffs en même temps. Là, on peut éventuellement essayer d'enchaîner deux AOE. Qui joue après? Ouais, c'est Jin. On va essayer ça. Jin va faire le revive. Enfin, j'espère. Sur une AOE, c'est peut-être prendre... Non, ça prendra... Oh, on n'a pas réussi à revive. Ça, c'est relou. Bon, bah, allez sur Jin à fond, les gars, hein. Faites-moi rêver, hein. Ok, on va pas avoir le choix, pardon, de faire ça pour se soigner. On a pris un stun. Ok, trois exposes. Trois exposes. Ouais, bah clean, ok, super. Faut vraiment qu'on fasse l'ulti avant qu'il ait plus clean, notre andouille, là. Ils ont beaucoup de prot-up. Ok, là on devrait pouvoir enchaîner AOE puis l'ulti, je pense. Et peut-être. Ah putain, j'avais oublié le Daze à la con. Ok, ça. Le Daze de stun, pardon. Il y a beaucoup de prot-up. Allez. Ah, faut aller vite là. Faut aller vite, il me faut une AOE.
Et malheureusement, je l'ai claqué avec Jean juste avant. C'était très stupide. Ok, ça va tuer du monde. Très bien, ça c'est fait. Faut tuer les deux andouilles en même temps, là. Ok, là, il y a l'antille, donc c'est bien. Attention. Ouais, non, c'était naze. Ils vont perdre l'anti-heal, donc là, je vais être dans la merde. Par contre, pourquoi je fais pas de crit, là pour... il y a un anti-revive, là, dans les autres, là. J'ai oublié. Ah, et puis là, dès qu'ils vont pouvoir reprendre... Ah, ça y est, c'est mort. Je vais pas à OE, je vais vraiment attendre le dernier moment. Mais l'autre, il a encore l'anti-buff. Ouais, il vient de se faire clean les dots. Pff. La OE sert à rien. Pourquoi ? Qui est-ce qui a l'anti-revive ? C'est dans le Datacron ? C'est où ? Allez, il y a 4 exposes là-haut. Qui sont clean, évidemment. Ok, c'est bon, il vient de se réparer. Bon, bah c'est mort, on va time out, hein, là. Il n'y a aucune chance. Et le truc, c'est que même avec la guerrière en moins, ça fait pas non plus une énorme diff, en fait. Il y a toujours ce chef qui est d'un relou infâme. Il y a 4 exposes là-bas. Et qui va clean, évidemment. Clean beaucoup trop vite. Il clean beaucoup trop vite. Ah, une team pas mal, ça, en défense. Franchement, ça rend beaucoup, beaucoup de comptes pénibles. Comment il fait pour faire sa spé à chaque tour, j'ai l'impression. Ou alors, il joue tellement souvent. Bon. Bon, au moins, on a tombé un perso. C'est con, parce que dans l'autre sens, du coup, je pense que ça aurait pu jouer la win. Dans l'autre sens. Bon, et trouvez-moi pourquoi... Qu'est-ce qui fait l'anti-revive, là en face là, est-ce que c'est le Datacron? Il n'y a rien dans le Datacron qui fait ça. Bah non, pas en gaz. Non, on a besoin de gaz pour autre chose. Sinon j'aurais fait avant. Bon, qui empêche le revive en face là de mon Cassian? Parce qu'il y a ça aussi qui est pénible, hein. De pas avoir Cassian qui est là, c'est relou. Ça serait bien de mettre les jauges comme il faut là. Ah, faudrait que le chef il joue là. Voilà, nickel. Ok. Bah peut-être... en fait... peut-être que je vais CLS, en fait. J'avais prévu la CLS sur A1, en fait. Écoutez, on va faire le tour un peu. On va laisser de côté, elle. Voir... Comment je l'ai repris, du coup, là, sur le match d'avant? Ah, faut que je regarde, en fait, parce que j'étais... J'ai galéré exactement de la même façon la manche d'avant. Donc je peux peut-être tout simplement regarder ce que j'ai fait. et pas refaire toutes les bêtises que j'ai fait avant. Qu'est-ce que j'ai fini par envoyer là-dessus? Donc là, pas de mais, elle a fail. Voilà. Derrière, j'ai fait un Radus qui a fait exactement la même chose. Qui a tombé... Oh non, j'avais même pas tombé la guerrière. Si? Si, voilà, j'ai exactement le même fail. J'avais tombé juste la guerrière. Et j'avais tombé... Ah, c'est marrant. J'avais réussi à tomber l'invocation qui n'est jamais revenue. Pareil, ne me demandez pas pourquoi. Niveau 6 d'Acron pour l'anti-revive, je crois pas avoir lu ça. Non. Non, c'est pas ça. Ah non, alors que Fatal élimine un ennemi, il peut pas être réanimé. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis fait avoir. J'ai eu le kill avec la mauvaise capa. Ok, donc Radius avait fait exactement la même chose, que j'avais tué l'invocation qui est parvenue. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris ce que j'ai fait. Je sais pas, il doit peut-être, si on le tue avec d'une certaine façon, il n'y a pas de revive possible, peut-être, c'est ça? Je me souviens plus. Si le pire Tusken est vaincu et qu'un autre allié Tusken est actif, réanime avec 100% santé. Chaque fois qu'un allié est vaincu, les alliés de tous les alliés... Ouais. Ok, non, il se passe pas grand-chose. Donc j'ai fait un
Mando, Groba, Boba pour essayer de virer du monde. Je suis mort avant parce que j'ai mis plein d'anti-revive, mais ça n'a servi à rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une GG, ça n'a rien fait. Après, bon, ça c'est les inquis, c'est pour eux. Ensuite, j'ai fait des NS. Il y a trop de heal, ça n'a pas du tout marché à cause du chef. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait après? GG. Non, donc NS, non, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fini par faire? La Bad Batch était pour autre chose. J'ai fait Boss Griff Mando. Voilà, c'est ça que j'ai fini par faire. J'ai fini par faire Boss Griff Mando. Écoutez, Ou avec what, ouais. Non, mais je crois qu'on va faire du Boss Griff Mando. On a déjà cramé, n'empêche, une Qui-Gon Jinn, une Radus. C'est pas les trucs dont... Enfin, je me sers assez souvent, mais la Radus, bon, pourquoi pas, sans passer. Voilà, la BH. Bon, ça nous laisse quand même du matos à côté, normalement. Ça laisse un petit peu de matos. Pour à côté, le Nord, il y avait sorti. C'est dommage de ne pas avoir ça, mais bon, pourquoi pas. BH n'a pas besoin de la sortie. Bah après, sortie, je peux faire plein d'autres choses sur elle. J'ai du JKR, j'ai encore une CLS dont je me suis pas servi, qui servira peut-être pas derrière. J'ai le Wampa éventuellement. Garde griffe pour LV, non. Bah LV, normalement, je fais du JML. Si JML merde, j'aurais Fennec. Fennec sans griffe. Ah, je remarque que je peux économiser griffe, t'as raison. Je peux peut-être économiser griffe en fait. Genre Boss, Mando, Groba. Ouais, je garderais peut-être Groba. Je sais pas. Je me demande si Zam peut pas être intéressant. Et Zam servira. Ouais, Zamomi, je pense. Pour l'extra vitesse et l'extra survivabilité aussi un petit peu. On a la petite santé max, protection max par tank et santé max par soutien au soigneur. J'en aurais pas parce que j'aurais deux attaquants et un tank, donc bon. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça, économiser le griffe, ça peut être pas mal. On va se mettre un petit attaquant obscur qui donne de la survivabilité pour être sûr de tenir, mais normalement c'est pas trop un problème. Non, c'est pas trop un problème. Bon, on perd 10 points. Bon, de toute façon, on va pas faire ça d'emblée. Donc bon. Forcément, si je cherche obscur alors que je suis pas dans le bon filtre, ça ne va pas marcher. On va pas mettre un trop gros, juste voilà. Petit 15%, santé, défense. Très bien sur Bosque et Zam. Parfait. Donc on aura un petit peu moins de quoi faire le contrat, mais ça va pas non plus être horrible parce que si on va poser des bombes et après on fera des basiques sur les bombes, ça donnera de la jauge, ça permettra de jouer plein de tours de suite. Ah non, j'ai un problème pour déclencher le contrat. En marquant le plus faible, peut changer assez rapidement. Faut que je me cible sur un pillard et que je reste sur lui. Ok. Mais tu l'as cru qu'on allait passer une demi-heure sur cette team à la noix. Allez, c'est parti. C'est relou. C'est relou. Bon, en plus, on s'enlève un one-shotter et c'est toujours pénible. Ok, on taunt. Ok, le taunt, lui, comme il était déjà un peu amoché, c'est lui le plus faible, ça nous va très bien. Il a que 7 stacks, c'est parfait. Petite basique. Mais 7 stacks, j'ai quand même été... C'est pas à 10 stacks qu'on se fait stun? J'ai pas vu où il a repris des stacks entre-temps. On va pas faire le massa 6, ça sert à rien. On a du monde stun. Ok, vas-y, fais tes trucs, on s'en fiche. Là, on fait le massa 6. Il a que 4 stacks. Non, personne n'est stun. Très bien, merci. Des petites bombes. Voilà. Basique, bon, ça devrait le faire. On tank plutôt bien. On va appeler Zam parce qu'il y a une bombe. Ça va stun Zam. Ça stun les deux? Je comprends pas. C'est 10 stacks et qu'au moment où je fais ma basique, il a pas les 10 stacks. Bref. Et petite basique, voilà. Le contrat est fait. Mando, il a sa capa, donc c'est parfait. Enfin, il a son buff, donc il a la désintégration qui est dispo. Bosque taunt comme jamais. Merci. Merci Loïx pour l'idée de garder griffe. Ça va peut-être être clutch.
peut-être être clutch. Bonsoir docteur, bonsoir la commu, enfants sont couchés, j'ai loupé quoi? Écoute, tu as loupé la première grande arène qui s'est bien passée. Normalement, on est sur une win. Donc voilà. Et écoute, là, on essaie de... On galère. On va pas se mentir. On galère. Petite basique, là, il est pas stun, c'est ça? Ouais, il est stun. Prends pas. Bon, les bannières, bon, si on va essayer de faire un peu gaffe quand même, ça va être compliqué de régénérer beaucoup. C'est lequel que je dois tuer? C'est lui. Ouais. Bon, tant pis pour les bans. Tant pis pour les bans. On fait un vieux 23. Ok, donc on crame déjà. Donc 23-24 avec Claude Cava. On crame déjà 30 points ici. Ça fait qu'il faut faire 2055, ce qui reste une map propre. Donc on va faire gaffe. On va faire craft. J'ai confiance en votre grid. Vous offrez du beau jeu. Ouais. Allez, on va essayer de se lancer dans la suite du combat. Qui, j'espère, se passera mieux. Écoutez, on va se faire un petit. On va se faire une épreuve de confort. On va se faire 6 solos là-dessus, voilà, pour se détendre un petit peu. Et comme ça, ça va faire du bien. Tac, défense. On va prendre celui-là, 120% de défense. Non, celui-là plutôt, voilà. Parce que tant qu'à faire, celui-là on peut se garder pour encore mieux. Normalement, on lit, font pas trop de dégâts. Normalement, il peut rien nous arriver hein, avec ça. Il y a l'entrave des capacités. Ok, pour l'ulti, éventuellement, ça pourrait être un peu pénible. Hein. Un peu d'attaque. Est-ce que j'aurai besoin de Watt ailleurs? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Watt, on va le mettre nulle part. Ce serait vraiment dans une team brick. Ah, mais si, avec SLKR. Si, on a besoin de Watt pour SLKR Jabba. Là. Pour vraiment, pour ça, faire un truc safe. Donc non, il va y aller tout seul, à la limite. Un petit site de complément, là, genre Sion, parce qu'on va faire du Trium Savage. Allez. Vraiment, en espérant qu'on soit pas à 3 points près. Mais normalement, avec le Datacron, j'ai blindé, quoi. Normalement, avec le Datacron, on se fait pas peur, les deux sont liés, donc ils envoient pas de coups critiques, surtout DR qui est R9, qui peut un peu piquer. On va voir. Ok, donc là on va être pas mal ability block, mais on s'en fiche un peu. Ok, on va pas heal, ça sert à rien. Surtout on va pas le faire assister sur Malak. Ok. Là on va faire le petit heal. Voilà, c'est un drain qui part évidemment sur Sion. Voilà, parce que pourquoi pas. Ok, l'ability block, c'est vrai qu'il est relou. C'est vrai qu'il est relou. Parce que Sion pourra pas faire son... Ça se paie. Si on arrive à laisser full santé, ça peut être vraiment cool. Enfin, ça tank. Hein. Ah, par contre, là, ça va être pas mal. On va jouer... Ouais, nickel. Ok, bon, c'est pas mal. On va peut-être finir... Ça va être compliqué, full santé sur le Sion, à mon avis. Ouais. Mais bon, au moins, il est là. Donc, on perd que 2 bans. C'est dommage qu'il est... S'il se fait pas ability block, là... Ah, dommage. Il aurait pu faire sa spé qui lui redonne 100% de santé. Bon, ok. On fait quand même un 56. Ça va. Ça va. Puis déjà, on gagne du premier coup, ce qui est une petite victoire pour l'instant. Bon, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a derrière. On va envoyer Gas là-dessus. On va aller checker le Datacron, bien évidemment. Hop, on va mettre le bon. Plutôt toi. Donc, on a du site. On a encore les entraves aux capacités qui vont être relous. Pour Rex, pour ses one-shots, pour ses spé, une pour relever. Ça peut être pénible. Beaucoup de défense. Ça peut time out, cette affaire. Ça peut time out. On n'a pas 36 choix. De toute façon, on avait le choix de faire ça sur la DR Malak, mais j'y croyais pas trop. J'ai préféré faire dans ce sens-là, parce que les deux étaient possibles. On aurait pu faire 6 sur Gas. 6 sur... pardon, sur... sur Malgus et Gas sur DR, mais je trouvais ça... Je trouvais ça un petit peu moins bien. Donc côté lumineux, on va mettre... je pense qu'on va mettre ce Datacron là.
Dégâts critiques, défense, protection, il est plutôt sympa. Ça va me permettre de bien tanker. Il y a un Malgus R9 en face. Bon, j'ai envie de dire le quotidien. Et on va se lancer. Donc, ouais, je sais pas, on rappelle, hein, c'est pour le top 100 là qu'on se bagarre, qu'on s'écharpe. Ok, on se couche pas, on a pris l'ability block évidemment. Mais qui écline assez rapidement, c'est ça qui est l'avantage. Pourquoi on a pris la fire? J'ai raté un épisode. On a pris la fire. J'ai pas vu. On a proc quelqu'un sous les... Non, bah non, pourtant, sous les 50%, je crois pas. Normalement, non. Il a le taunt tout le temps, lui. Ok, un crit. Deux crits, ça c'est pas mal. Ok, les deux comptes nous font nous asseoir. Pas forcément au moment le plus opportun. Mais au moins, on a fait... il va faire que des basiques. On lui a augmenté les délais. Là, ability block sur Rex, sur 5, c'est parfait. Ce qui fait que Rex va pouvoir faire sa spé. Est-ce qu'on l'a fait Oui, on l'a fait. Ah, c'était même pas forcément la peine. Ok, talon. Ouais, compliqué. Ok. Ouais, les contres vont nous mettre l'ability block, ça va être relou. Les contres vont être relou. Ability block au pire moment. Juste avant qu'on joue, on aurait pu... Ah, c'est bon, c'est clean. Allez. Petite confusion, petit brise armure, ça fait plaisir. J'ai pas vu si les crits sont passés. Faut vraiment tenir tout le début. Après, Malgus, on l'aura. Il nous fera pas time out, là. Salut, Abyss Dog. Ok, on est pas mal. J'apprécierais... Ok, il va perdre son taunt, là. Donc, c'est pas mal. Au moment où il se couche. Ok, nickel. Nickel au niveau du timing. Ok, on est ability block. C'est relou. Bon. On galère à avoir accès aux deux autres là. Beaucoup de doutes, etc. d'ability block. Donc Rex, il est prêt au niveau de sa spé, je pense. Il faut juste qu'il arrive à en placer une. Ok, il va pas perdre son taunt parce qu'il y a encore du doute. Ça va time out si on peut pas prochainement virer le maraudeur là avec la spé de Rex. C'est vraiment de ça dont on a besoin. Il faut vraiment qu'il nous augmente la durée, qu'on arrête de time out quoi. C'est... Voilà, ça fait plaisir, tiens. Je vais rester sur lui. Parce que le maraudeur, on va le one-shot. Normalement, avec Rex, prochain tour, là, il n'y a pas de taunt. On va rester sur lui. Et normalement, là, c'est... Voilà, nickel. Ok. Ouais, faut qu'il... Soit qu'il nous mette un mode x8, mais je suis pas sûr que ça soit bien. Faut juste qu'il nous rajoute 2-3 minutes, là. Pour qu'on arrête de paniquer, là, sur la... Sur les combats et sur les tempos. Il y a tellement de comptes qu'on abandonne juste à cause du timeout. Je trouve ça tellement dommage. Là, pour la rentrée, je veux un changement de map TW et ok, on va faire ça. On va grid un peu pour essayer de finir avant qu'il joue. Ok. Et l'augmentation des temps de combat. C'est voilà, les deux demandes. Mon cher papa Seiji. Ok. Gas, on a dit... Donc là, Gas, on a dit pas trop le choix. J'avais le choix entre garder Reva ou JML. Un des deux. S'il y a JMK ou LV, je suis mieux avec mon JML. Donc c'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que j'ai fait. Et là, il y a l'interrogation 7e ou 8e à laquelle on va essayer de répondre. On va se mettre... Ceux d'attaqueront là, si on a toute la prot au départ, on fait 100% de dégâts supplémentaires. Je pense que je vais me mettre ça, avec beaucoup de dégâts critiques. Et je vais regarder un petit peu les compos qui sont conseillés. Reva pour JMK, c'est safe. Ouais, mais si c'est élevé, et ça sera sûrement élevé, c'est moins safe. JML me permet de faire les deux. Pour ça que je le garde. Et safe en 3v3, ouais. Laisse-moi regarder ça. J'ai jamais été confronté. 70%. Ok. Bon, ça va. Ok, donc général Skywalker avec Revalid. Ok, 87% avec la 7ème.
très bien. 1m7 compo. Le GI, machin. Et en 8ème. Oh, on tombe à 16%. En effet. Tu savais que JKL, JKCK et Windu bat Malgus. Ben, je savais que JKL, Hermit et quelque chose, il y a des 60-70% sur le point GG, Payoche. Donc non, je savais pas ce que tu me dis et je trouve ça très intéressant. Je trouve ça extrêmement intéressant même. Parce que moi, mon JKCK est en dev, je suis pas sûr de son utilité. On va voir un petit peu dans les retours que je vais avoir avec le avec les le Gacking Site là. Mais c'est pas mal parce que c'est trois persos dont je me sers pas ailleurs pour l'instant. Et ça me ferait un beau contre à JKL, à Malgus qui me plairait. Enfin, JKL ça sert. JKL en soi, je m'en sers avec JML pour contrer LV. Donc si, si, ça me sert. Ça me sert. Et je l'aurais pu. Après, je pourrais trouver autre chose. JKCK, c'est Jean-Claude. C'est Jedi Nat Calcestis. Allez, en tout cas, nous, on se dirige là-dessus. La Reva sur Gas. On va quand même regarder juste l'attaquant avant de lancer. Donc, c'est évidemment celui-là. Beaucoup de santé, dégâts critiques, vol santé. Donc, pas un truc. Donc, le dégâts critique, oui, mais le reste qui est vraiment pas ouf. Donc, on va voir. Puis, on va essayer de bien le jouer. Écoutez, parce qu'il y a quand même des fails, ça veut dire qu'il y a moyen de se planter. On va voir. On va commencer par un ability block. On va commencer par un ability block. Allez. Je pense que c'est mieux à faire. Là, il faut qu'on la soit le plus vite possible, à mon avis. On va faire la torture. Je confirme, j'ai une vidéo de JKCK Malgus. Ok, super. Ok, anti-heal. On va, est-ce qu'on va sur Rex ou Five? Je suis en train de me demander. Ok, on va faire ça. Je sais pas si c'était le bon choix. Bon, de toute façon, il y a le taunt. Voilà, comme ça. Bon, lui, normalement. Ouf. Oh, la violence du Datacron! Merci les boosts pour les pourcentages. Oh là, si elle est considérée comme full prod, ça va piquer ça. Ok, normalement, pas mal vont esquiver, sauf elle. Très bien. Et puis là, c'est un. Bon, il va contrer, mais normalement, il devrait pas. Là, il va plus se cleanse. On va arrêter de faire les coups critiques. Il est. Tout ça. Ça va le faire. Ton adversaire l'a fait, Loïc. Bah, ok, merci pour l'info. Oh, on peut même viser un full ban, tiens. Ah! On va réduire les capas de lui. Normalement, ça soigne un peu tout le monde, plus la cible. Ouh, est-ce que ça va compter? Normalement, il attaque deux fois et ça fait le taf. Est-ce qu'on va être un full ban? Oui, c'est un full ban, ça fait plaisir. Pourquoi pas dire JKC? Je sais pas. Je sais pas, moi je dis Jean-Claude maintenant. C'est vrai que des gens disent JMLS en français. On dit JML à cause de l'anglais, mais là, ça marche dans les deux. Je sais pas. Je sais pas. Ok, quel est le Datacron que nous avons aujourd'hui? Beaucoup de défense, mais pas trop. Vol de santé, dégâts critiques, attaque, très bien. Ok. On va faire du grand classique. Un compte qui a pu faire ses preuves par le passé, que j'ai appris à aimer, malgré mes réticences au départ. Et voilà, je mets le Datacron. Je mets quel Datacron? Ah, je me souviens plus. Reva sur les Tusken avec la marque de mort, il n'y a pas moyen. Ah bah si, mais c'est clairement overkill là. Si, si, mais si, si. Si, si, si. Mais là, tu... C'est un peu dommage quand même de faire ça. Parce qu'aucune des teams que Qui-Gon, Radus et les BH que j'ai fait n'auraient passé gas, tu vois, par exemple. Je pense que le trade-off n'était pas bon. Vous êtes plutôt quel team, vous, au niveau du Datacron? Vous mettez quoi? Vous mettez un nouveau set pour la tankiness? Je me souviens plus ce que j'ai fait, les manches d'avant. Laissez-moi retrouver, j'ai fait ça. J'ai regardé la même vidéo que ce que j'ai regardé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, d'ailleurs, j'ai fait un super contre. C'était quoi? Ah, mais c'est ça, sur un Malgus, j'ai fait un Trium géonosien. C'était pas mal. Bref. J'ai mis quoi comme Datacron? J'ai dû filmer normalement. Si je suis un homme bien, j'ai filmé le Datacron que j'ai mis. Okay. Donc ça, c'est le Datacron en face. On va remettre exactement le même. Pas me prendre la tête. J'ai mis un UFU. J'ai mis un 100% de dégâts. Ben, je crois que j'ai mis celui que je viens d'utiliser. J'ai mis celui de Mara. Donc c'est exactement celui que je viens d'utiliser. Bon,
il a très bien servi sur l'hôte. Donc c'est les 100% de dégâts si je suis full santé. Donc là voilà, ça va ressembler un petit peu, il y a beaucoup de dégâts critiques. Mais niveau 7 avec de la def pour garder cru. Bah, je m'étais dit ça, mais en fait, tu vois, là, je l'ai gardé l'autre fois, en fait, de tomber vite. Bouche avait fait le taf, mais c'est surtout les focus qu'on fait la diff en fait. Et c'est vrai que t'as pas tant besoin de ça de dégâts, tu les fais après. Ouais, t'as raison. T'as raison. On va faire celui-là avec le 120% de def. Il y a un peu de dégâts critiques en plus, donc c'est pas. Bon, on va espérer ne pas en avoir besoin pour sauver deux teams. J'espère vraiment que son fond n'est pas trop hardcore. On va voir. Vous avez vu à la vitesse à laquelle j'ai écouté mon chef là? Oui, il peut toujours gagner si t'as clean sans fail, mais que le. Toi t'as clean, pardon, sans fail et qu'il a un fail, c'est possible. Ça dépend un peu de la propreté du reste. Il est clairement mal barré, mais s'il est ultra propre, c'est possible. Ok, on va mettre ça. Mais c'est vrai que la manche d'avant. J'ai pas réussi à finir full prod sur cru quand même. Je me suis un petit peu fait avoir, mais c'était pas trop mal. Ok, ah mince! J'oublie à chaque fois que la petite basique avant peut servir pour mettre l'anti-buff et après on clean avec cru. Ok. Ok, anti-buff passé. Très bien. On peut enlever le blind là, c'est toujours ça de prix. Ok, bon, on dispel maintenant et pas avec autre chose. Très bien. Ok, on va AOE je pense avec cru. Là, on va se permettre de dissiper les buffs. On peut pas stun, mais on peut enlever les buffs de protection. Ça, c'est toujours ça de prix. Bon, on lui a réduit la jauge, donc on en a remis avec Watt. Donc, c'était un peu nul, mais bon. là, on va faire l'ulti le plus tard possible. Hein. Ouais, bon call. Bon call, Loïc, la def. Hein. On verra. Salut, Pyrom. On verra si on a le temps. Faut pas perdre de temps à tomber tout ce petit monde. Ah, pourquoi j'ai pas ciblé l'autre? Mais quelle andouille j'aurais pu là. Mettez-moi là. Ça suffit? Non. Ça va clean. Hot up. Ok, faut pas que je traîne. Oh, 17 bombinettes. Le problème, c'est qu'il va y avoir l'ult. J'avais pris l'ult et heureusement, il est allé sur la CLKR. Ok, il y a eu le contrat. Ok, là, je suis pas serein. Je suis pas serein, j'aime pas la tournure que ça prend. J'aime pas mettre autant de temps à tomber bouche. Allez, basique. Non, le prochain coup je suis en ult. Et normalement je la tombe sur l'ult. Mais par contre on va prendre un ult de Jabba. Donc on va espérer. On va espérer la voir sur SLKR hein. Tant qu'à faire. Ok, il a son ult. Ok, non. Leia reste là beaucoup trop longtemps. Et ça me plaît pas du tout. Ok, ça part sur cette quête. Increvable le cru, c'est vrai. C'est vrai que le cru est pas mal. Ok, il a fait ult, donc ils sont full soignés. Mais là, je commence à faire un peu de dégâts. On va faire que des AOE. Normalement, je rejoue avant. Ouais, nickel. Ok, on tombe. Alors, je sais plus dans à quel moment c'était. J'ai fait un SLKR sur Jabba. Où j'ai tué Jabba avant. avant Christian. C'est très rigolo. Bon, si on arrive déjà à être full santé et full prod sur SLKR, on sera content. On va faire ça pour essayer d'assurer le. Ouais, c'est ce qui va se passer. On va tomber Jabba avant, je pense. C'est pas du tout impossible que sur la haut, on tue Jabba là. Ah non, il y a la prot up. Mais là, oui! Je trouve ça trop rigolo. Est incroyable. La basique, on va essayer de pas le tuer trop vite pour récupérer nos bans. Oh, j'ai le choc, j'avais pas vu. Je vais me clean, mais je crois que ça va tuer ça. Ouais. Bon. Comment fonctionne le ras sur Jabba? Jamais trop compris. Si tu tues Christian, en fait, c'est dans le kit de Christian, pas dans le kit de Jabba. Quand tu tues Christian, si le chef cartel de Hutt prend son tour, enfin, la prochaine fois qu'il prend son tour, Christian revient. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. J'ai fait sur un cru R9 Red Pilot. Ouais, non, c'est relou. Le cru R9, ouais, c'est relou. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh. JKR. S'il y a un JKR JML. JKR.
Avec le Datacron, attention. Ondomi, Talzin. Ok, pas de LV, pas de JMK en... Ok. Sinon, en soft, Papa Maraska fonctionne bien sur Jabba, mais peut-être pas à ton niveau. Non, je pense pas avec ces Datacrons-là, mais sur le petit compte, j'ai fait, ouais. Vivement à la fin de cette GA, j'en peux plus des ciels en face. Ça va, la def, ça va. On va faire un petit point calculatrice. Il faut. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est évaluer la team la plus pénible en face. Donc 260, 260, 219 pour les chips. Je compte 210 de chips là. Et je vais compter 55 par team pour faire voilà, une petite moyenne. Et on a 10 teams, donc il faut ajouter 550. 2013, ok, donc ça suffit pas. Donc faut pas de fail. Et il faut gratter 12 points. Donc après, dans les 12 points, ça peut être un peu sur les chips. Ça peut être des 55 qu'on transforme en 57, en 58. Voilà, donc c'est vraiment l'estimation basse. On est derrière, donc il va falloir être propre. Salut Doudlol. Ok. Et puis ouais, non mais attendez. On n'a pas encore tombé Ray. Hein. On n'a pas encore tombé ni Ray, ni la serrée. Donc là, on est loin d'être sorti de nos peines, en fait. Je faisais le kiké, mais... Moi, idéalement, j'aurais préféré que mon fail, il serve sur Ray. Hein. Plus que sur les Tusken. Parce que ça, à tout moment, ça se passe mal. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Donc ça, c'est ce Datacron-là que j'utilise en général. Les dégâts critiques. Le bonus de défense. Tout ça, tout ça. Je me demande si je vais pas envoyer un stun sur l'armurière. Quoique, elle va pas démarrer... Elle démarre avec quoi? Elle va démarrer avec quoi, l'armurière, en fait? Vol de santé avec le Datacron est pas ouf. Si elle démarre avec sa basique, s'en fout. Si elle commence à mettre des techs, ça peut être très relou. Si elle me met l'anticrit... Ça peut être très très relou. Je sais pas avec quoi elle va démarrer. Parce qu'elle pourra mettre deux cumuls. Ah non, l'anticrit c'est à 3, donc de toute façon c'est bon. Donc au pire, c'est la protection récupérée à la fin de son tour. Bon. Les 15% de santé max, 50% de défense. Je pense pas qu'elle soit dangereuse, mais est-ce que je la stun au départ? Ouais, je vais regarder, voilà, je vais regarder à la vitesse. Parce qu'en fait, si Mara. 293, ok, je devrais pouvoir la stun le tour d'après. Commence par SP2 en plus, ouais, donc non, c'est bon. Donc on va stun Ben, et après on lui mettra les faux pas et tout ce qu'il faut. La team me fait pas trop peur, c'est plus, bah voilà, un truc qui peut se passer mal dans ce compte, parce que ça reste... Ça reste un compte qui peut un petit peu mal se passer, surtout que là, avec Zatacon là, j'ai l'impression que ça tape un peu trop fort des fois, et ça proc un peu trop vite les immus. On va voir. On va voir ce que ça raconte. Ok, c'est parti. On essaie de se concentrer. La petite grenade qui va bien, qui passe. Très bien. Du coup, on va aller tout de suite proc le faux pas ici avant de se faire surprendre. Voilà. On va en reproc un ici. Tranquillou. Très bien. L'aspect du pépère. Ok. Super. On va aller proc lui. Bah, j'allais dire pas trop tôt. Mais voilà, c'est exactement ça que je voulais qu'il ne se passe pas. Exactement ça que je voulais pas avoir. Ok, là il faut surtout pas qu'on proc Ray, donc vous allez voir, on va faire... Non, on n'a pas posé le stun, on va le poser ici, il faut pas que Ray proc, il faut qu'elle fasse une spé, hein. Faut pas qu'elle fasse une... Attendez, je réfléchis. Là je peux pas la taper elle, et là si je vais sur Ben, j'ai peur de lui faire trop mal. Je vais spé comme ça. Voilà, on assure. Ceinture bretelle, on proc l'immu, c'est parfait. C'est parfait. On va pouvoir aller s'occuper des petits loustiques. Ok, on proc toutes les immus, très bien. On va prendre le kill, ça sert à rien, il va revenir, mais bon. Ok, on est bien. On va essayer de stun, peut-être plutôt. Voilà. Puis là, on va attendre, on va le laisser rentrer en ult. Voilà, on va virer les stacks. Parfait, on va mettre les faux pas. On va proc les faux pas. Comme ça, on est sûr qu'ils seront vides de jauge quand ils reprennent. J'avais pas enlevé toute l'inspiration. C'est un problème, ça. On a l'ulti, mais on a... Ça revient en même, en fait, que Palpa meurt et je suis pas full santé, full prod, ça revient en même. Donc, je vais préférer Palpa qui meurt pas. Comme ça, au moins, je me fais pas surprendre. C'est pour ça que je fais ça. Je pense que j'aurais pu tanker
l'ulti, mais je veux être sûr d'avoir Palpa parce qu'il est... quand il n'y a pas Palpa, ça peut vraiment être problématique en fait. Ok. On va kill Ben. On va re-kill Ben. Et là, on va en kill Ray, je pense. Là, ça va suffire. Ok, super. On va prendre le kill ici. Et lui, on va le finir. Donc, on fait que 54. On aurait peut-être pu gratter les 57, mais si jamais on a eu full santé, full prot, mais je voulais préférer ne pas prendre de risques. C'est pas là-dessus qu'on va gratter des bannes. On est en retard sur... enfin, on est bien en retard sur le plan de bataille, parce qu'il faut plus que ça, mais... Ok. Oh, c'est trop d'honneur, Mads. Alors, le move clutch, ça fait 2-3 fois que je le fais. C'est la spé heal de Palpa pour pas faire trop de dégâts. Pour vraiment ne surtout pas reproc d'immu, de pas prendre deux lames de suite. Ça m'est arrivé une fois de me faire niquer avec les deux lames de suite, donc depuis, je fais un peu gaffe. Ok, serré Omicron, typiquement gas ça marche très bien et j'ai plus gas. Et salut Aculupsk. Et là, serré Omicron, elle fait pas rigoler. Parce que vous voyez, gas, pas Starkill. Ah, mais j'ai. Ah. J'ai le trium maintenant. J'ai le trium. Et ça, ça change beaucoup de choses. Alors, faut l'utiliser à bon escient, évidemment. Mais j'ai mon petit trium. J'ai une JKR Bastille. Ok, très bien. Des Géo. Et je veux bien avec Calquistis. Ouais, je pense avec Savage, ça va aussi passer. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas Nilus que ça va merder. Tout ça, j'ai pas. Ça, c'est pas ouf. Ça, on a pu. Oh! Ah, peut-être il faut les deux Omicron. Remarque, 18 fois, 95% de win. Talzin, Assage, Merin. Parce que ça, j'ai. Hein. Ça, j'ai et ça, on pourra s'en servir. Et ça, ça fait des bannières propres maintenant. Peut-être on s'en servira sur un truc un petit peu moins high level. Est-ce qu'il y a une cible tout indiquée pour le trium en fait? Géo, non. Ça, non. Qui-Gon, ça pourrait, mais on a d'autres choses. Et au sud, on a quand même des grosses cibles. On a quand même la JKR. Faudra pas trop la négliger, la JKR. Hein. Faudra faire gaffe. Ça, il y a pas mal de plusieurs choses qui peuvent passer. La car, ça fait pas trop peur, je l'ai eu l'autre fois. La rondo, il va falloir se méfier, on a encore une CLS. On a cette Talzin Merin Omicron. Fifi-pifi-poufou. Faudra faire gaffe à ça. Faudra quand même faire gaffe à ça. On a un Wampa qui est toujours là, mais là, il y a, comme on disait, il y a la Ténadan, donc ça peut être compliqué. Va falloir se méfier. Ici, on va faire l'hésiter parce que ça, on sait que ça passe. On va commencer à faire un peu les comptes qu'on... J'ai pas regardé, on va regarder plus en détail. Là, on va faire l'hésiter là-dessus. On sait que ça passe bien. L'hésiter en 3v3. Salut, patron. T'arrives au bon moment, là. Au moment clutch où il faut compter ses bans et être propre. Et encore, on n'a pas vu les chips. Ouais, ça, on sait que ça passe. C'est l'hésiter en 3v3. Je suis pas ultra fort. Bah, ça se passe bien. Les Toscans, c'était compliqué. Merinomi, j'ai jamais rencontré, non. Non. C'est ma première fois. Faut de l'anti-revive, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Et il ne reste pas énorme. Ce serait bien de trouver une solution à serrer. Après, on a JML et on a une JKR. C'est un peu le souci. Donc, c'est vrai que si on peut mettre le trium là-dessus, ça serait assez plaisant. Mine de rien. Là-dessus, il nous faut juste de l'attaque. Rien d'autre. Alors, pas non plus un attaqueron. Ah mince. 4% d'attaque. Là, il y a un 17%, mais c'est un lumineux qui pourrait servir. Bon, on n'aura que ça. C'est pas ouf, ça. on a que ça pour l'attaque. Hein. 4%, ça, je pense que ça suffit. L'autre fois, on a vu qu'on avait, démonté la team. Mais bon. Vous me connaissez, je suis de nature prudent et je fais jamais de grid ou de choses comme ça. Je pèse tous mes contres. On avait l'habitude maintenant. J'ai bien mis le bon lead, j'ai pas mis Vierce, c'est bon. Bon, en gros, Baby Patron n'a le droit à aucun fail. Et faut faire 55 de moyenne et 74 sur les chips, quoi, en gros. Donc, on peut grappiller de ci, de là. Ok. C'est parti. On se concentre.
Allez, basique. L'autre fois, j'avais fait TM. Là, faut que ça prenne le kill. Hein. Pas d'esquive, pas de blague. Là, faut que ça prenne le kill. Si on vient de perdre une bannière bêtement. Pourquoi j'ai pas fait l'aspect pour éviter un contre? Pourquoi j'ai pas fait comme l'autre fois? Et là, je perds une bannière bêtement alors qu'on est en galère de bannière. Y a rien qui rende la prot en plus là. Je le fais quand même. Ah, je perds une bannière bêtement. En plus, la première fois que je l'ai fait, j'ai fait basique, j'ai pris un compte. Et du coup, la deuxième fois, je dis bah non, je vais faire l'aspect comme ça, je prends pas de compte. Et je grappille une bannière. Bon. Donc, cette série, on a. Ouais. Après, je pense qu'on peut faire JML là-dessus. J'ai la Bad Batch aussi. Bah, la Bad Batch, elle va aller là-dessus, je pense. Elle va aller tranquillement sur la sortie, je pense. Donc, on avait dit Trium là-dessus. Mais peut-être il vaut mieux Trium sur Meereen ou JML sur Meereen. Ou... Est-ce qu'on a autre chose pour Meereen au sud? Qu'est-ce que ça dit là? NS. NS Meereen Talzin. Alors, Talzin. Avec. Meereen et zombie. Gaz, très bien. Trium, 70%. Waouh! Nude Bain Django, 100%. C'est intéressant ça. Je sais pas si j'aurai les balls d'y aller. Mais c'est rigolo. Ouah, solo gas. JKR sur NS. On a vu là. JKR, Bastilade, joli. Spy Monde. Ah mais attendez, on a un anti-revive. Alors je sais pas si j'en ai des datacrons avec l'anti. Alors, attends, je vais fermer ça parce que c'est relou. J'ai juste dépensé l'énergie. Tac. Et je vais fermer ça. Il y a un truc anti-revive là. Je sais pas si j'en ai un. Il a fallu perdre un stack sur le DKT. Ouais mais c'est compliqué. Si on laisse jouer en face, ça peut être la fin. Un truc comme ça. Est-ce que je l'ai? Rétribution. Non, dommage. Non, dommage, j'ai pas l'anti-revive. Est-ce qu'il y en a un, il me semble, hein? Il me semble qu'il y en a un avec l'anti-revive. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Parce que le plan c'est quoi? C'est de marquer. Faut marquer deux fois Talzin. Ouah, c'est chaud hein. C'est chaud. Bon, la plague, on a pas mal de quoi heal, etc. C'est ça que Jolly Basti, c'est peut-être même mieux que JMY, mais bon, on a moins de DPS. Eden. Tenter deux fois 100% de win. 54 ban. Bon. Trium a l'air safe. Ouais, est-ce que... Faudrait avoir les balls d'y aller en... Faudrait avoir les balls d'y aller en... Soit en Nude Bain Django, soit en Eden. Mais c'est chaud. Hein. En Eden, ce qu'il y a, c'est que... Ouais, ce qui est pas mal, c'est que vous allez avoir... Des attaques au retour qui vont vous aider. Vous allez avoir pas mal de régène. Tendu, hein. C'est tendu. Qu'est-ce qui fait exactement son Omicron? Parce que je vous avouerai que... Chaque fois qu'un allié est vaincu, réanimé, Meereen obtient 100% de jauge. Un cumul de pestilence à tous les ennemis pendant 3 tours. Donc il y a beaucoup de pestilence régulièrement. Et j'ai pas vu, c'est résistable ou pas? Parce que si on a l'Athéna up... C'est résistable. Ok. C'est résistable. Ah, c'est chaud. Je suis plus serein d'aller tenter un truc sur serré en fait. Que les NS, j'ai tellement peur que ça tourne mal. Je suis limite plus serein sur une serré. Même si serré... On a vu qu'on n'avait pas non plus... Non. Après, il y avait l'idée, si on a vraiment peur de ça, c'est d'y aller en J et de claquer le JML là-dessus.
C'est aussi une solution de claquer le JML. Ah, puis on a les NS qui passent dessus. Parce que du coup, ça ferait quoi? Pareil, la JKR. JKR avec Rétype, DK critique, il y a moyen que ça soit relou. Il y a toute la prot-up au départ, etc. Cette team, elle fait pas rigoler. Hein. Cette team fait vraiment pas rigoler avec toute la prot-up au départ. Faut un truc solide, quoi. Faut un truc vraiment solide. Genre une JKR, JKL, à la limite. Et essayer de contrôler un petit peu tout ce petit monde. J'ai affronté, risqué de time out. Ah, c'est la team JKR Basti, c'est risqué de time out. Ouais. On peut faire du Dash and Chewy, on peut faire du CLS C3C. JKL, Ermite, Maïs. Ok, on va écrire le plan, parce que là on fait des plans dans tous les sens, et il faut qu'on se pose. Donc on a dit sortie, on peut faire la bad batch, on a dit Qui-Gon, Omicron, j'aimerais bien faire JML pour assurer, mais sinon on a Newt. Sur la serrée, on peut faire un JML, JMY et n'importe qui d'autre, ça marchera. Donc ça c'est pour le nord, et au nord il n'y a que 3 teams, c'est ça. Au sud... On a une JKR sur laquelle on peut faire un JKL Ermite, et donc tu disais Windu ou un autre, quoi, un plus un, à voir ce qu'on a. Donc on dit que sur la Talzin, on y va du coup en Trium. Ok. Sur la Hondo. Sur la Hondo. Ouais, ça, et JKR, si on y va en JKL, Ermite, JKR, je pense que c'est pas mal quand même. Je pense que c'est pas mal. La Talzin Trium, la Hondo. La Hondo, elle se... Est-ce qu'elle se CLS, celle-là? Est-ce qu'elle se CLS pour le stun au départ, qu'il fasse pas trop chier? Je pense que... Ou elle se dash and chewy, ou... Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Hein. Elle se CLS. Ensuite, on a toujours un Wampa aussi. Le Wampa doit pouvoir faire la Hux, à mon avis. Là, je vois rien qui gêne. Il y a Nest. Oui, mais tu n'as pas time out. Non, ça marchera pas, le Wampa. Si, j'ai CLS, Anchoui. Mais C3, on peut faire Dash, Anchoui et CLS, C3, C3. C'est pour ça que je dis ça. Bon, Kars, il y a plein de choses qui peuvent passer dessus. Je pense que ça sera pas trop un souci. Faut faire un peu gaffe, mais normalement, on doit pouvoir... Il y a de la relique, mais ça devrait le faire. Et il y a la Hux. Il y a la Hux. En vrai, je pense qu'on peut... Si le Qui-Gon Omicron il se passe bien en Newt, en vrai, est-ce qu'on peut faire Wampa sur quelque chose? Wampa sur Hux, attends, c'est quoi le problème? On va pas gagner de TM, il va vite se retirer le truc, donc c'est pas si gênant que ça. Il n'y a pas de debuff pénible. En vrai, je pense qu'on peut Wampa la Hux, ce qui nous libère un peu de choses. Pour la Kars, il va falloir du DPS, mais non, on n'est pas trop mal. Donc on ferait ça, on ferait Bad Batch sur la sortie, Newt sur la Qui-Gon, JML, JMY, quelque chose sur la serrée, pour assurer. Trium sur Talzin, JKL, Ermite, JKR sur la JKR, CLS sur la Hondo. Tu dois pas fail et tu veux risquer Newt. C'est quoi la team en face? Bah, je sais pas, j'ai jamais eu trop de soucis sur les Qui-Gon. Il y a du R8, certes, un peu de santé.
Le problème, c'est que si je fais JML là-dessus, après, on a vu que la Nute Qui-Gon, la Nute Jango B1, elle passait la Mérine. Parce que pareil, on a de la roquette dans sa face qui peut faire de l'anti-heal. De toute façon, on a des chasseurs de primes pas dégueu. Hein. On a de quoi se faire un Fennec Griffe Boba. Enfin, on a de quoi faire des trucs plutôt stylés avec anti-revive et tout. Hein. Mais voilà, c'est des teams. C'est pas que c'est aléatoire, c'est que enfin voilà, on fait des comptes qu'on connaît. Serré, tu as Trium, c'est ça? Non, Serré, ça serait JML et du coup Trium. J'aimerais bien faire Trium, mais dans ce cas-là, il faut une solution pour le Talzin. C'est ça le truc, en fait. C'est ça le truc. Parce que tu vois, sur celui-là, j'ai ce Datacron qui est pas mal, 80% de dégâts critiques. Les full dégâts, j'ai 100% de santé protection. Ça permet vraiment de faire du sale, en fait, ce truc. Il y a vraiment moyen, ça, que ça déboîte les NS, en fait. Et si on fait ça sur la NS, c'est vrai que ça décoince des choses. Ça renvoie le Trium sur Serré et ça permet de faire la JML sur Qui-Gon. Je le fais souvent, mais je vois bien ce qui peut merder. Je vois bien les focus à la con qui peuvent arriver. C'est-à-dire si t'as un focus sur Nut au départ ou qui font que qu'il y a une vie qui est proc avant et qu'après la OE elle te tue quelqu'un, je vois bien comment ça peut casser les couilles. En vrai, j'ai envie de tester ça sur les NS. Le vrai de vrai, c'est ça en fait. C'est ça qui se passe. Et j'ai envie de tenter le one shot sur Talzin direct. C'est ça qui se passe. J'ai envie de grid pour la dernière manche. J'ai envie de proposer un peu de grid. Parce qu'on en a pas assez eu. Il ressemble à quoi le Datacron? Un Q. Deux cumuls de PC1 à tous les ennemis. Ok. Lorsqu'un allié est vaincu, mérite 20% d'attaque. Ok. Beaucoup de défense, santé. Waouh! C'est ça, j'aime pas quand tu joues les bannes. Alors certes, on propose de la santé et de la défense. Je propose un Datacron plutôt stylé de mon côté. Avec pas mal de chances d'anti-revive. D'ailleurs... Là, j'ai celui-là avec riposte qui est pas mal aussi. Parce que si j'ai la riposte, quand j'ai fait une spé, du coup, je tape direct. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Celui-là est quand même mieux, je pense. 80%, ouais. Ah, c'est le moment où la GA tourne du mauvais côté. Et où bébé patron va quitter le chat en disant mais je peux plus rien faire pour toi. Hey, une petite prédiction. Il faut là sur ce genre de match. Allez. Non, c'est pas un sondage, c'est une prédiction que l'on va faire. Allez. Nut Jango B1 versus NS. Oui. Non. Je vous laisse la petite minute réglementaire, dépêchez-vous. Demande pas à Matt pour les DTC, il a du mal. Ça passe, je m'abonne. Ah, on peut faire ça. Ah, on peut faire ça. Je veux une vague de sub si jamais ça passe. Trop de grid, tu l'as GA. Quand on regarde le point GG, il ne devait pas y avoir des zombies partout. Hein. Clairement. Mais je crois qu'on était sur 100%. Il me semble qu'on a vu 100%. Ouais, il y avait eu que 6 fois, mais c'était passé à chaque fois 55 bans. On est sur quelque chose, sur le papier, on voit bien pourquoi ça marche. Le truc, c'est de l'attaquer, c'est le RC de Talzin. Est-ce qu'il faut pas attendre avant de faire la requête sur le Talzin pour être sûr de prendre le kill au bon moment? C'est tout ce petit genre de choses. Voilà. C'est pendant son tour qu'ils peuvent être réanimés. Donc si elle m'assassine de Newt, ça ne marche pas. Je voulais vérifier ça, j'ai bien fait. Je porte mes beaux, je dis oui. Et salut Kiretz, bienvenue. Kiretz, pardon. C'est bon, ça a fini. Qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce que ça dit? 75% non. Ah, mais il y a quelqu'un qui a mis Zélou en fait. Parce qu'il y a 9 personnes qui disent oui, 3 qui disent non. Mais il y en a un sur le non, il a mis all-in. Qui est-il? C'est bébé patron. Qui a fait ça? Allez, c'est parti.
Allez à Jacques Tess. En plus, il y a un datacron vraiment solide en face. Donc, c'est ça aussi qu'il n'y a pas dans le point GG, les datacrons, tout ça. C'est parti. Extorsion, pourquoi pas. Donc, il nous faut une AOE de B1 avant pour affaiblir la Talzin et tenter la roquette directe. Je pense qu'il faut aller avec la roquette directe. Ou sur Mérine, la roquette. En fait. Ha. C'est qui la plus fragile des deux? Les deux sont R7. Ah, j'aurais dû regarder ça. Ah. Peut-être Mérine en vrai. Hein. S'il n'y a plus Mérine, on se règle beaucoup de soucis. Hein. Allez. Alors, le problème maintenant qu'on va avoir, c'est les stacks de pestilience qui vont déboîter le B1. Ok, bah là en fait ça va être nickel parce que je vais avoir un anti-revive tout de suite. Là, je pense à prendre le kill. Double basique, ça assiste deux fois s'il y a un affaiblissement. Enfin, ça va taper deux fois. Une fois. Bah, une fois ça suffit. Non, le B1 il va mourir. Le B1 il meurt. Ah, les boules! Ah, il y a trop de pestilience. Non, j'ai la mort. Alors, je suis full santé, full prot. Non. Et là, je reviens. Ah, je me fais gratter des santé juste après. Non. Il prend le kill et il bouffait un peu de santé. Sinon, ah, je perds une bannière là-dessus, quoi. Ah, en fait, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. On perd 4 bannes là-dessus. La plague a été ultra relou. Le B1 s'est fait démonter. Alors ça passe, mais c'est mitigé quand même. Hein. Ça passe, mais on n'est pas content. On va récupérer des bannes un peu au-dessus aussi, là, je pense. On va récupérer des bannes là. Parce que là, on va pouvoir faire le trium. Et là, on va pouvoir faire une JML. Donc, on va voir. Mads, merci pour l'abonnement. Tu as tenu ta promesse et ça me fait grandement plaisir. Merci à toi, t'es cool. Ok, donc là-dessus, nos petits sites, voilà. Et on va se mettre en mode chasse à la bannière. Je déteste ça. J'espère qu'il nous a pas mis des chips de fou, mais normalement, il met Profundity Executor Malo. Il fait beaucoup ça, donc clairement, on va en chier. On va en chier là-dessus. C'est pas là, on récupérera des points. Ok, côté obscur. La dissipation sert à rien, vol de santé, santé, protection, dégâts critiques. Ouais, en fait, peu importe un petit peu. Défense, peut-être celui-là, il est pas mal. Allez, on va mettre ça. Quand tu sais que Mérine déboîte un RG en une... ok, on va enquiller un petit peu. C'est parti. Bon, là, j'espère que les bans, ça ira. J'espère que ça ira avec les bans. Ah tiens, qui on isole en fait? J'ai pas réfléchi. Peut-être Cal pour pas qu'il donne des boosts aux autres, je pense. Je pense que c'est le mieux. Et on va essayer d'aller sur Thano. Serré? Ah mince, ah ben ouais. Ouais, ça c'était esquivé. Et du coup, one shot... La dame là, one shot Fulcrum. Je sais pas. Ou est-ce que ça va pas être de toute façon, on va attendre le one shot à chaque fois. Ça a l'air de bien tanker. Ok, on augmente. Ah, avec son anti machin là, c'est relou. Ok, bon, ça tank plutôt proprement le Savage. Ok. Ah, faut faire gaffe à son... Oh non, en fait, c'est serré qu'il faut que je bute parce que son one-shot peut faire un petit peu mal. On va faire ça pour lui augmenter les délais, comme ça on est sûr qu'elle le fait pas. Et on va la sortir, en fait. Je sais pas si c'était le bon choix. Je crois que j'ai un peu fait de la merde, là. Parce que j'ai plus d'isolation et j'ai consommé un one-shot. Mais je crois que serré... Je sais pas si elle peut vraiment... OS comme ça un Savage, mais j'ai préféré ne pas prendre de risques. Bon, là j'ai l'impression, voilà, ce que je disais au début, on va attendre les one shot un par un.
Ça va se passer comme ça. Aïe. Ah. Ouh. Oh oui. Oh, j'avais pas vu qu'il avait l'anti-buff. Du coup, c'était pas cool ça. Ah, Damned. Damned, on perd une ban. Il faut que Nihilus se soigne. Il faut que je tape des ennemis avec des debuffs au maximum. Voilà. Ok, bon, on perd une ban. C'est pas tout à fait fini. J'avais pas vu l'anti... Bon, après, j'aurais pas pu faire grand-chose. Hein. Cela dit, j'ai pris l'anti-buff. Et du coup, il avait plus de quoi taunt. Et ça, elle a pris son tour pile au mauvais moment. Donc bon, j'avais pas beaucoup de solutions. Ah, mais il y a de la régène de prot. Merci, Savage. Ok. Ok. On se détend. On se détend. Laissez-moi reprendre mon plan. On avait dit Bad Batch là-dessus. Ça devrait pas trop poser de problème, normalement. Plutôt safe. Voilà, je pense qu'on va pas s'amuser. Wampa serait possible. JML, je vais plutôt le faire sur la Qui-Gon. Solo. Alors, JML sur Qui-Gon solo, vous êtes sûr, hein? J'ai peur. Là-dessus, je me demande, est-ce qu'on peut faire, en fait, plutôt le Wampa et récupérer... Est-ce qu'on peut faire le Wampa et récupérer la team pour quelqu'un d'autre? La Bad Batch qui sera plus versatile que la Wampa. J'aime bien celui-là de Datacron pour le bonus de pouvoir s'il n'y a pas d'affaiblissement pour être sûr de poser les stuns et tout. J'aime beaucoup celui-là. Je peux encore win? Ouais, je peux largement win, oui. Non risque. Ok. Bon, ça me va. Ça me va. Tac. Ah, non risqué, ouais, c'est risqué de faire ouais, le Wampa et le timeout fait un peu peur. Même s'il n'y a pas un Datacron qui fait trop flipper, bon, il y a quand même les 15%. L'autre fois, c'est passé en auto. Mais clairement... après, pourquoi c'est passé? Parce que moi, j'ai quand même sur le Wampa, j'ai quand même ce Datacron... ce Datacron-là avec 104% de dégâts critiques. Donc c'est pour ça que c'était passé. Mais il faut être sûr de pouvoir le faire sur notre team parce que l'avantage du Wampa, c'est les bans, en fait. Donc on fera le faire soit sur la Rondo, mais non, la Kars, ça me paraît compliqué. La Hux, j'ai mis Hux sur Wampa pour l'instant, faudra réfléchir. La JKR, j'y crois pas. Malus, Tena et Stun. Ah oui, il y a BB8 en face, ouais. Ouais, mais il est rarement appelé en fait. Il fait rarement sa basique sauf s'il contre. Bon, des fois, on n'a pas le choix de cibler. C'est vrai que c'est. Ça peut être problématique. En 5v5, clairement, c'est risqué. En 3v3, j'ai eu à le faire l'autre fois parce que j'avais pas le choix. Et je trouve que c'était plutôt bien passé au final. Mais bon. Allez, c'est parti. On va dissiper tout ce petit monde. La petite grenade qui va bien. Voilà. On va aller sur R2. Ça devrait être le plus rapide à tomber. Voilà. Une fois, deux fois. La petite AE pour garder le camouflage pour éviter les contres. La petite basique qui finit. Ça, c'est fait. Ok. Donc là, on n'a pas le choix d'aller sur lui. Ok. On envoie le petit Daze qui fait plaisir. On peut aller sur BB8 s'il nous évite l'avenir lucide. Écoutez, on prend. Et on va faire ça. Une fois, deux fois. Voilà qui finit. Et l'anti-buff, on va laisser sortie pour la fin qui présente pas trop de danger. J'aurais pu poser le stun sur elle d'ailleurs plus tôt. Voilà. On pose l'anti-buff, on colle ici. Et là, c'est vraiment une ouf. Ouah, j'ai été trop vite. Il faut bien que je sois full ban. Ça rend de la prot normalement. Non, pas du tout. Ça dissipe. Non, bah, et ça rend de la prot à la cible. Personne n'en a besoin. Bon, on va poser un stun. Le type est en panique complète. Je me prends la tête beaucoup trop. J'aurais dû finir avec la basique tout à l'heure là. J'ai trop peur. 57, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, donc là-dessus on a dit JML solo, aucun risque. Mais du coup ça sert à rien de mettre un Datacron aussi. Si je mets quand même celui-là avec moult prot. Parce que du coup je fais aucune spellide. Est-ce que c'est quoi la strat du coup? C'est tu tues JK quoi. Et tu finis... Ah mais en fait ça revient même que 2, finir full santé full prot en fait. Si prot. Ah, la Bad Batch, c'est fort.
Ok, je mets l'attaquant des enfers, très bien. Bon, ce qui est cool, c'est que si ça merde, je peux porter la responsabilité sur le patron. Ah oui, augmente les délais de JK. Mais la hausse, ça sert à rien parce qu'ils ont la prévoyance. Si je ne dis pas de bêtises. Allez, tac. Ils ont la prévoyance. Il me semble. Et quoi, et ça me donne quelque chose, ça? Je me souviens pas. Ça a diminué la joue. Je prends. Ouais, je suis tout ce que tu m'as dit. Pose pas de questions. Ah, tu commences par SP1, oui, ah bah d'accord. c'est pas grave. Mais c'est vrai que là-haut, il aurait été plus à propos à ce moment-là. bon, il y a l'ability block, donc on va pas daze. On va être réfléchi un petit peu. Ok, là on daze. Ok, petit AOE. Oh, ok. Ça devrait aller, effectivement, on devrait finir avec notre prot. Effectivement, je comprends l'intérêt du Datacron prot, en fait. Parce qu'effectivement, on veut quand même... il faut quand même tenir et garder notre prod pour les bans, en fait. Après, j'ai pas du tout de vol de santé là-dessus. Donc, si jamais on venait à perdre notre prod, je suis pas sûr de pouvoir regagner la santé. Je sais pas trop. Ah, tu gagnes un peu de santé sur la haut, je crois. Ouais, c'est pas ouf non plus. Ah, si, ça va. La basique suffit. Oh, le JK, il tank de fou, là. On va basique pour continuellement se heal. Esquiver. Bon, ok. 58. Très bien. 58, on prend. Ok. J'ai eu peur pour rien. Alors, exécuteur, est-ce qu'il y a le Profundity ou pas? Ça changerait tout. Il y a le Profundity. C'est pas la compo anti-chimère. Bon. Clairement, le match, à mon avis, va se jouer ici parce que niveau ban, ça va être compliqué. D'ailleurs, peut-être... Je sais pas ce qu'on fait en premier, en fait. Je sais pas ce qu'il vaut mieux faire en premier. Oula, on se calme. 11 009 plus les 260 du sud, plus on va dire 220 si on fait que des 55, plus les 219 des vaisseaux, plus on va dire, allez, 70 et 75, 2023. Ok. Ok, donc on peut faire 2v70, 1v75, et au sud, il faudra faire 2,57 et 2,55. C'est... Ouais, j'ai fait les Tuskens. Vu ce qu'il y a derrière, c'est dommage, hein, parce qu'on avait mieux, mais les Tuskens, ça... J'ai fait le McQuaigon Omicron. Il y a l'Omicron de lui, là, qui fait chier. Il faudra un compte beaucoup plus propre à ça. Grosse défense chip, ouais, bah alors, le Nego fera le taf. Le Nego fera des bons points là-dessus. Et là, clairement, il faut que le contre Radus en Empire passe. L'autre solution, c'est de faire le contre Empire sur Piet que j'ai fait l'autre fois. Combien il a fait de points, tiens? Sur Exec, ça avait... Montre rapidement le sud. Mais pas de soucis. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai fait comme contre. En ship. Enfin, combien j'ai fait de ban, plutôt. Parce que je sais le contre que j'ai fait, mais je sais plus combien de ban j'ai fait. Ouais, donc ça c'est le miroir, ok. Et j'ai commencé, voilà. Ce compte, combien il a fait? Parce qu'il peut faire des jolis points. J'ai fait 72. Et là, Hondo. J'ai fait 72 en empire sur prof. Ce qui était pas mal. Et ce qui pourrait... Et j'ai l'impression que c'est un petit peu plus safe. Ah, selon DTC, ça peut passer sur Kars. Ok, je peux montrer. C'est un peu de tout, beaucoup de dégâts critiques. L'arrêt trib, c'est pas trop gênant.
J'ai peur de... Ta mission peut taper fort. Hein. 4% de l'attaque, 74% de dégâts critiques, ça peut piquer. Ça peut piquer. J'ai presque envie de tu préfères presque faire la chimère sur le prof en fait. Tu verras après les chips. Ah ouais. Carrément. Moi je m'étais dit plutôt les chips, de toute façon j'ai pas 36 choix. Et après je gride éventuellement des trucs au sud au niveau des bannes quoi. J'ai l'impression que dans ce sens-là c'était mieux. Je vais faire confiance à un top 20 G1. Non. Ok. On va commencer dans les trucs qu'on avait dit. On avait dit CLS sur Rondo. On va commencer par L. On va commencer par L et on avait dit JKL lead. Hop là, hop, 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 hop. Non, non, après les tout. Stop. Ah, tu verras après les chips, ça veut dire tu verras ce que tu fais en toon après les chips ou tu verras après, virgule, les chips. C'est correct, tu dis après les toons, mais c'est une injonction ou... Je ne bouge plus. Oui, c'est ça quoi. Ok, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'on verra ce qu'on fait sur les toons après avoir fait les chips. En premier, les chips. Voilà. Ça me semblait plus logique aussi. Pour ça, j'étais surpris que tu me dises de faire l'inverse. Je trouvais ça plus logique. Bon, mais donc voilà. Donc la chimère, le compte marche vraiment bien sur l'exécuteur. Mais c'est vrai qu'il peut être, cacabane. Mais au moins, vraiment, ça passe quoi. Il y a R9 en face, le truc, j'avais pas vu. Là où le Radius, c'est vrai que j'ai eu... En fait, le Radius, si le compte se passe bien en sight, on peut faire des super bad. Mais si jamais ça prend pas le kill sur un tie, vous êtes foutu. Le compte tombe à la ramasse. Là où, avec ça, j'ai l'impression qu'on est un peu plus safe. L'autre problème, c'est que par contre, le Profondity Miroir, c'est pareil. Ça peut faire du 75, ça peut faire beaucoup moins. Donc bon, on n'a pas besoin de faire 75. 75, on le fera avec ça. Donc si moi je prends 2,70, je les prends tous les jours. Surtout que pour ce compte, on n'a pas besoin du Tie Bomber qu'on peut mettre du coup dans Profundity pour céder pour le contre. Et du coup ça marche bien. Ah, Endurance en Profundity, ah ça peut être pas mal. Salut Matabayo. Ok, je préfère faire ça, je pense. Je préfère vraiment faire ça. Le compte me plaît beaucoup. Je l'ai fait hier. Il marche bien. Je l'ai fait en TW. Je vais juste pas me tromper. Le père. Ah bah oui, je suis bête. Le père B28, il est là. Attendez, j'avais fait ça? Non, j'ai pas fait ça. Attendez, j'ai un doute. N'oublie pas que c'est le gars de mots, tu vas te prendre un truc venu d'ailleurs sur la porte. C'est pas ça. Non mais c'est ça, c'est... Je suis contre l'exec, c'est bien ça. Attendez, pourquoi... Pourquoi je retrouve pas mes petits là? J'ai fait quoi hier? J'ai un truc avec le gauntlet. Il a moins d'adversaires, ouais. Ciao Mads. C'est quoi le compte que j'ai fait hier là? Non, c'est bien ça, c'est bien avec le B28. Ok. Je me paume dans mes notes et dans mes trucs.
Ok, et donc l'idée c'est le TIE Interceptor en renfort. Ainsi que le TIE Defender qui est bien pratique pour envoyer des grosses pralines. On va pas mettre d'autres renforts parce qu'on va essayer de jouer sur les bannes. L'adversaire, ouais, ouais, il a moins de PG, je confirme. Je confirme. Ok. B28, machin, truc, schmuche. Ok. Il y a une partie du match qui se joue là. Clairement. Clairement, clairement. Et l'autre partie se jouera sur le Profundity. Il faut pas choke son miroir. Ce qu'on maîtrise pas forcément toujours. Avec acheter en line-up en face. Non, je pense. Je sais pas. Jamais fait. Salut Azuri. Mais pas impossible. Ok. Attendez, je me suis trompé. Ah, oh, je me suis trompé. Ah non, c'est bon, pardon. ok, c'est... attendez, je suis complètement paumé dans le truc que je dois faire. Donc là, lui, il va jouer, c'est esquivé, du coup, on prend l'avantage. Et du coup, on fait rentrer le Defender en premier. Oh, j'ai failli suivre le call contre le Nego. Ok, ça c'est parti. Ça part en stun. C'était pas la surprise. Ok, on va se prendre. Ok, on perd le taille. Donc là, les, pour les bans, c'est pas cool. Ouh, le défendeur. Ouh, le défendeur. Ok, on va heal. Ok, le bomber. Bomber à eux. Ouais, c'est pas ouf là ce qui se passe. C'est pas ouf. Ok, ça, ça tombe. C'est cool. On n'a pas le choix en basique. Ça va faire un renfort dans. C'est pas mal. Ça, c'est pas esquivable. Attention. Ok, on a le one shot qui arrive bientôt. Ok, l'anti-buff est pas passé. Ok, bon là, on est pris dans le... On est pris dans le buff de l'autre, là. Aïe. Ça va faire quoi? Ça va faire le heal en face. Après, je... Ouais, ça va faire le heal en face. Ouais, j'ai une marque, donc ça sert à rien de dissiper. Et nous, on a le one shot qui arrive. Ok, nickel. On va heal le TIE Defender. Tant pis pour lui qui a la marque, là. Quoique, j'hésite. Non, on va heal notre taunt. Ah, mais je l'ai clean. Qu'est-ce que c'était con. Ok, c'est pas mal. Ok, je pense qu'on va win. Je sais pas ce qu'il a fait en face. J'ai compris quel move a fait. Il a fait une basique, mais j'ai pas vu où elle est partie. On va heal. Faut qu'on récupère de la santé sur le defender. Ok, c'est pas mal. Si on arrive à finir avant qu'il joue en face, ça peut être pas mal. Basique, ça fait plus de dégâts. Non, il va prendre un tour. C'est Boba qui rentre, c'est pas cool. Ok, son AOE, c'est de la merde. On va faire ça pour tomber l'autre derrière. Les contre-attaques vont piquer. Malus de vitesse, m'en fous. Ça, par contre, ça peut être cool en appelant qui? Allez, en appelant le Defender. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas compris. Ah, les contre-attaques vont faire mal. L'aspect sert à rien, il n'y a pas le verrouillage. Oh, toutes les contre-attaques vont faire tellement mal au ban. Ça prend le kill, non. Oh là là, je prends trop de contre. Il se heal complètement. Il proc le contrat, donc prochain coup, il m'envoie son truc. Pff, allez, ça va heal. Oh, s'il fait sa grenade, je vais prendre tellement cher. Il faut qu'il meure des bombes. Ouf! Ok, j'ai meilleur compte à soigner lui. Ça va pas être top niveau ban. Hein. 68. Aïe. Avec le chip Malgus, le B28 tank beaucoup. Ah ouais, mais j'ai oublié. J'oublie ces chips en fait. Complètement oublié. Ouais, oh, les bans là, on n'a pas eu de pause sur la fin pour finir là. On a senti les reliques en face. Si je finis un petit peu plus tôt, j'ai beaucoup plus de bans. Ok. Ok, donc là on a le miroir. On a le miroir à jouer. Et clairement, là aussi on peut perdre de la ban. Là aussi on peut perdre beaucoup de ban. Selon
les focus, les assists. Donc on va bien réfléchir sur les renforts. Déjà, on va mettre lui au cas où ça se passe mal. On en a vraiment besoin. Si jamais ça va pas du tout dans les assists, il faut qu'on le fasse rentrer pour casser les trucs en face. Il nous faut ça. Et je pense qu'on va plutôt mettre... Alors moi, j'aime pas le ghost. Moi, je préfère Cassian. Parce qu'on peut dissiper les debuffs si jamais il y a des... Il y a... Remarque, non, là... Parce que Fantôme est pas mieux là pour le miroir, en fait, effectivement. Biggs, non, parce que si jamais on a besoin d'un tank, au pire, on a lui. Merde, je l'ai enlevé. Zut. Ghost, je joue tellement peu souvent avec le Ghost. Moi, j'aime tellement Cassian quand il rentre, il clean, il peut générer pas mal d'assists. Défends-moi ton choix Ghost, Mick, en 3 points. Je suis ouvert à toute proposition, mais le Ghost, je suis pas un fan inconditionnel. SSP, donc voilà, pour mettre le camouflage. Bon, ok, les dégâts là-haut, elle sert rarement. Sa capacité de renfort, bon, voilà. Gagne. Les choix de Mickey sont... Bon, je vais jouer ceux avec... Je vais faire comme parce qu'on disait tout à l'heure, j'ai joué ceux avec quoi j'ai l'habitude de jouer. Donc, 3 renforts, c'est cher, mais il faut surtout pas fail. Je veux dire, les points, on pourra aller les gratter plus loin si besoin. On pourra se débrouiller sur un malo, on peut aller gratter de la banne là-dessus. C'est pas le moment de gratter de la banne. Ok. Donc en face, il y a... Ok, c'est l'autre qui va jouer en premier, forcément. J'ai pas l'Omicron. Donc je joue jamais en premier. Je n'ai pas cet avantage. Allez, pas trop d'assists. Un assist, deux assists, trois assists. Ok, ça a été un peu le festival de l'assist. Ok, je suis pas au mieux. Là, moi j'en ai pas... Ok, c'est la cata. J'ai très peu d'assists. Je perds... Ouah. Ah là 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 là, bon, on va basique pour essayer de perdre le taunt. Oh putain. D'habitude, quand je perds le taunt, ils vont ailleurs. Bon bah là, si la RNG ship, elle me dit fuck. Ah, on vient de perdre 3 bannes là. Là, on perd 3 bannes. Ok. Là, les assists, ça paraît, elles font mal. Bon, il a fait rentrer lui, donc on peut faire rentrer lui. Faut faire vraiment gaffe. Au focus sur... Oh là là, j'ai pas d'assist. Non, faut pas qu'il tombe. Ok, on va heal, tant pis. Pour l'aspect, il vaut mieux heal là pour se donner un peu d'air. Allez, des assists. Voilà, on n'est pas timide, on y va. Mais lâcher... Oh les bâtards. Oh, heureusement, il fait ça. Oh, heureusement. Heureusement. Ok, on fait rentrer lui pour... Faut qu'il s'arrête les assists. C'est pas possible. Stop les assists. Et là, moi, il m'en faut des assises. Voilà. Ok. Bon, le problème du Tide Bomber, c'est les bans aussi. Parce que forcément, lui, je crois qu'il se fait pas heal au moment où on fait l'ulti. Donc, c'est un problème. Je crois... Oh, mais mon... Ils m'ont démonté mon machin, là. C'est ouf, quoi. Mon vaisseau de dash, il a pris, mais trop cher. Allez, assist. Encore. Et l'aspect de Outrider. Ah, faut la faire au bon moment, l'aspect d'Outrider. Là, par contre, faut pas que ça kill trop vite. Faut que j'ai le temps de régénérer mes bans. Bomber en renfort en 1. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il vaut mieux faire. Ah bah là vous assistez. Ah putain, je perds de ban. 69. Wow. Genre pourquoi j'ai pas ce P2 du prof? J'aurais gagné un peu de temps. Mais là tous les assistent au mauvais moment quoi. Oh là 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 là. Ah c'est cata les chips là. Cata. Bon écoutez. Oh celui-là va falloir qu'il se passe, mais comme sur du... velours, on n'a pas le choix. Il faut qu'on ait toutes les marques comme il faut. Les machins au bon moment. On a l'espion en line-up. Ok, et on va vérifier. Normalement, c'est bien Sunfac. Hein. Ouais. Salut à Tartifouette, arrive sur la fin. On est mal. La GA du premier compte, normalement, elle est gagnée. Et là, sur le gros compte, on est un peu en déj de.
On est un peu en dèche de ban et en dèche de chat sur les assists. Là, on perd beaucoup de ban sur la toute fin des combats, malheureusement. Malheureusement. Ouais, franchement, je pense on perd entre 3 et 4 ban là sur des petites assists qui manquent ou des petits dégâts qui critent pas et qui suffisent pas. Bon, après, c'est comme tout. Hein, lui aussi, de l'autre côté, il a dû avoir la même chose. Ok, allez, c'est parti. On se concentre. On essaie celui-là de le faire propre. On prie le dieu RNG pour là avoir. Il faut que des verrouillages partout. Ok, il n'y en a pas là où il fallait. Enfin voilà, c'est pas grave. Il n'y en a pas sur celui-là. C'est pas grave. On va faire ça. Voilà, ça fait un peu de dégâts. Et normalement, là, on peut faire toujours basique ici. Voilà, on affaiblit. Et là, peut-être, sur un malentendu, on peut tomber un ou deux ships. On en tombe qu'un. Très bien. Là, on peut AOE. On peut se permettre. Plo Koon rentre. Ok, on est full heal. Là, il fait ça. Ça tape dans le vide. Et normalement, la prochaine basique doit faire le taf de JK. Merci, bonsoir. Il a toute sa santé. Hein. 76, on reprend un peu de trucs qu'on avait perdu. Il va falloir être excessivement propre sur les toons. Allez. Ok. Rappel de la situation. 1541 plus les 260 de la zone. Si on fait que du 55 de moyenne, ça fait 220. Ça va pas. Il faut faire 56 de moyenne. 56 de moyenne, c'est ça où on rentre à la maison. Ouais, j'ai coupé les cheveux, c'est un peu court. J'aime pas. Enfin, j'aime pas, ça repousse. Mais d'habitude, c'est un tout petit peu plus long au-dessus. C'est pas très grave. Bon, on est pas à 100 viewers, c'est quoi l'anecdote? Écoutez, si je win, je vous fais l'anecdote. Parce que je suis un mec cool. Sur JKR, tu feras 57. Oui, parce qu'on sera full. Non, tu veux dire... ouais. Normalement, il y a un Wampa qu'on peut faire... pour gratter un peu de la bannière. Ou on passe sur... alors, on va faire ça. Le Dr Pepito... ouais, j'ai fait des petits... J'ai pas fait un vrai Dr Pepito, j'ai fait plein de petites vidéos que je posterai dans la semaine. Ok, donc là-dessus, égalité, je win. Ouais, c'est pour ça. J'ai un petit... On va essayer de gratter le point. Comment être roster? Non, ça n'existe plus. On a fait quelque chose d'équivalent parce que quelqu'un nous a posé des questions dans ce style. Ok, donc l'idée, c'est de faire ça. L'objectif, c'est de... spé lead, stun, d'aller, je pense, marquer JKR pour éviter justement qu'il nous marque. Il y a beaucoup de dégâts en face. Essayer de limiter. Proc le sauveur. Et le bourriner. Et puis après, de sauter sur Jolly, quoi. C'est un peu ça l'idée. Joue vite car beaucoup de. Prot en face, ouais c'est ça. Donc là, un datacron, nous on va s'en mettre un aussi côté lumineux, voilà, et on va essayer de mettre, donc la dégâts critique, on va trier. Ah, j'ai celui-là qui est, j'en ai deux qui sont possibles. J'ai le 34% de dégâts critiques avec un peu de prot, et celui-là qui me donne beaucoup de survivabilité et 17% d'attaque, et j'ai celui-là à 40% de dégâts critiques. Après, j'en ai avec plus de dégâts critiques, mais sans le niveau qui va bien. Et non, il n'y en a même pas plus, en fait. C'est 33, 30. Moi, 43, 41% de dégâts critiques. Donc, en gros, c'est... Ouais, c'est lui ou lui, quoi. Lui me plaît bien. 2 ou 3, je dirais. Ouais, c'est ça. Celui-là, défense, protection. Ouais, celui-là est pas ouf. Celui-là me plaît bien, assez complet, de quoi tanker un petit peu, parce que bon, en face, il n'y a pas non plus énormément de DPS, c'est quand même un JKR R7, avec 100% de dégâts critiques dans de l'attaquant, donc il faut un peu tanker. Quand même. Bon, après, je ne fais pas stun le JKR, le seul moyen de contrôle que j'ai, c'est de lui augmenter les dégâts avec JKR. Normalement, je fais plus de dégâts, moi, avec mon JKR. Ok, écoutez, c'est un nouveau moment de vérité. Parce que ça, c'est pas tout fait. Parce qu'il y a l'île de Bastila, on rappelle, hein, qui est planqué dedans. Donc il y a la rétrib, ça. Mais voilà, il y a tout l'île de Bastila, donc il y a beaucoup de protection à aller chercher. Ok, allez, c'est parti. Comment ça se fait que les IT aient un train de TM aussi conséquent? Je connais pas mal le kit. Ah, j'expliquerai plus tard. Repose la question tout à l'heure. C'est un peu long.
Ok, c'est parti, ça marche JKR, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pas, parce que si proc sauveur, bah voilà, c'est fini, c'est perdu. Non, oh, j'ai eu de la chance. Où est ma souris? Bah de toute façon, bah non, en fait il va marquer, ouais, wow, c'est chaud. C'est chaud. Parce qu'en fait il va taper, il va faire sa spellit, donc il va clean celui qui va cibler, donc le stun limite il sert à rien. Et il va me tuer JKR qui est marqué, qui va pas proc sauveur. Un e-swap. Allez, merci, bonsoir. C'était un plaisir de faire cette jeu avec vous. Ah, oh, j'ai la mort. Bah, fallait faire autre chose. Il fallait faire autre chose, je sais pas quoi, mais autre chose. On va jouer au bout, hein. Mais en plus, là, on n'a pas proc sauveur du tout. Allez, vas-y, Marc, fais-toi plaisir. On n'a rien encaissé du tout. C'est ouf. Prend trop cher. Ok, on a tombé la prot. Ça swap. Ça call. On va garder l'espoir. Après, le problème, c'est que niveau ban, c'est la cata. Ok, on a une spellite qui va arriver bientôt. Allez. Là, on devrait prendre le kill. Voilà. Ok, la marque. Ok, ok. Il y a le sauveur. Enfin, le revive qui a été gâché par Jolly. Oh, JKL, mais JKL, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Allez, le compte, ça tue. Non, pas tout à fait. Ok, Jolly fait pas une basique, ça c'est très bien pour nous. Ça veut dire qu'il réunissait l'espace et délai. Là, on devrait prendre le kill maintenant. On va pas stun, ça sert à rien. On veut surtout contrôler ici. Ok. Ah, je suis ability block, quel dommage. Et là, il faut qu'on aille sur Jolly. Ok, stun. On va faire plutôt ça. Oh, ils ont beaucoup de prot, hein. S'il me sort un revive des enfers, lui, cet enfoiré. Il va sortir un revive. Il va sortir un revive. Ok, mais la prochaine compte, je le défonce. Ok, comme dit le patron, faut se dépêcher. Si on tombe joli, on est bon. Il y a beaucoup de prot. Beaucoup de prot. Il est R7. Ça fait pas rigoler du tout. Est-ce qu'il faut tuer Bastila ou pas? Est-ce que ça peut nous aider? Je sais pas s'il faut tuer Bastila. Il me casse les couilles avec son revive. Allez, vite, vite, vite. Un stun, ça fait une basique de moins. Ça fait qu'il traîne. Allez, la prot grise qui diminue. Allez, vite, 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 vite. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y croyez? Je peux pas lancer une prédiction, mais est-ce que vous y croyez, messieurs? Messieurs, dames. Oh, le stun qui fait pas plaisir. Allez, on n'est pas loin de la fin de la prot violette. Allez, on y est presque. Prévoyance. Ok, la prot est tombée. Ça peut le faire. Le revive. Il faut que ça prenne le kill. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Swap, contre-attaque, ça va prendre un kill. Non, parce qu'il y a la prévoyance. Il n'y a pas eu de contre-attaque, il avait son buff. Oh, je vais me faire avoir juste sur la fin. C'est pas possible. Il y a la prévoyance, pourquoi j'ai fait ça? Ok, splay lead. Basique, faut que ça passe. Non, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. La marque, ok, contre-attaque qui tue. Pas. Ok, le Jolly est pas en forme. Et là maintenant, il va falloir commencer à penser aux bannières aussi. Parce que la win, on va... Putain! Auto? Ah non, non, il va faire de la merde le mode auto. Il y avait l'anti-crit. Ah non, je vais perdre. Je vais perdre. La marque, faut que la contre-attaque, elle prenne le kill, là. Ah, il avait son buff. Allez! Non, je vais perdre. J'aurai jamais le temps de faire Bastila. J'aurai jamais le temps de faire Bastila.
Ça a rien de tuer JK à timeout, de toute façon, c'est perdu. Ah, vas-y. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Je pensais vraiment que j'allais tomber de joli. Sur les derniers moves, quand je lui ai bouffé sa prot, je pensais que j'allais réussir à le contrôler. Ah, ah ça raste. Ah là 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 là. Ça se joue pas... Ou est-ce qu'il fallait faire un... Il aurait peut-être fallu faire un JK early, tu sais. Non, c'est pas abusé d'avoir double lead, c'est le but des datacrons, c'est de mettre des mécaniques qui sont pétées. Et là, on sait que c'est un lead, mais il y a plein de trucs, c'est équivalent à des leads et on l'a pas. Trench, dans un de ses omicrons, non, même pas un de ses omicrons, dans un de ses états, il y a le lead de Django. Enfin, il y a une partie du lead de Django, donc c'est normal. Ou Maïs à la place de JKR. Ouais, JKR, je sais pas si c'était le bon choix, il a pas servi à... Il a servi à rien même, on va dire. Est-ce que ton datacron vole de santé... Bah non, parce que tu vois le problème, ça... Non, il a pas pu contrer. Non, il m'aurait fallu plus de. Bah, la tankiness, on avait tankiness et dégâts. Et j'ai eu plus de dégâts potentiellement. Après, il y a quand même souvent de l'anticrit en face, donc l'attaque était pas mal. Non, non, il fallait une autre compo, construire la team différemment. Bah après, si on perd pas JKR, clairement, on a une méthode de contrôle supplémentaire pour... Non, mais c'est à 2 contre 3, c'est trop dur. 2 contre 3, c'est trop dur. S'il marque pas JKR en face, bah on est bien. Ou alors, il aurait fallu faire JKR lead pour qu'il marque JKR, mais on n'aurait pas eu les spell lead, etc., qui sont quand même sympas. Le fait de bloquer les vitesses, tout ça. Avec l'armurière... Pareil, l'armurière, elle aurait changé quoi? La régène de prod sur JKL et tout. JKL, c'est un monstre. Il a tanké de fou. Non, JKR est trop frêle. Il fallait un perso qui tanque mieux. Il fallait un perso qui tanque mieux que JKR. C'est ça qu'il fallait. C'est juste ça, je pense. Bon, ça, on y va du coup sans réfléchir. On a dit... Hein, enfin, on n'a pas dit, mais je me suis dit tout seul parce que de toute façon... De toute façon, on a perdu. Mais donc, ouais, non, pour moi, l'armure change rien. Ouais, cette compo, ça pue le timeout sur Zalbar. C'est ça un peu l'idée qui va se passer. Parce que les autres, ils vont mourir des dots, c'est débile, là. Bon, elle se clean de temps en temps, mais Karst devrait vite mourir des dots. Oula, ou d'une grosse AOE dans sa face. Possible aussi. Et lui, s'il perd le taunt une fois, il est mal. Non, qu'est-ce qu'on a... J'ai pas assez réfléchi à la compo. On aurait pu optimiser la compo. On a trop... J'ai foncé un peu trop tout droit. Il fallait réfléchir à quelque chose d'autre. La vitesse JKR en face, t'as posé problème. Il suffit que tu joues en premier, en fait. Mais c'était pas possible, je pense. C'était pas possible parce que dans son lead, il donne trop de boost de vitesse, tu vois, plus 5, tout ça. Donc en fait, même si moi, j'étais même pas plus rapide de base. Mais de toute façon, j'aurais pas pu la outspeed. Il y avait trop de bonus de speed liés à ça. Mon ermite n'aurait pas pu la outspeed ça. Parce qu'en gros, vous faites un plus 30, quoi, avec les 3. Donc j'aurais pas pu avoir un Jedi plus rapide que ça. Et c'est ça, en fait, qu'on n'a pas anticipé. C'est que s'il joue en premier, s'il marque, c'est mort, quoi, en fait. Il marque et il a réduit la jauge. En marque, ça change rien, ça fait augmenter les délais. Donc ça va pas changer grand chose. Bon, on va se tailler les veines, on va voir si tout le reste du plan était ok. Parce que là, jusque-là, on avait rattrapé la marge. Avec DV, voilà. Non, parce que comme ça résiste aux debuffs en face, aux dots, ça aurait pas été ouf. La Hux, on va faire quoi, tiens, d'ailleurs, du coup, parce que j'avais écrit Kars, mais du coup, on l'a pu. J'avais écrit Wampa, pardon, mais du coup, la Hux, on l'a pu, je sais pas, on va faire des BH, quoi.
Aïe. J'ai l'impression d'à chaque fois finir mes sessions par une défaite de 3v3. L'approche du trop sans patatras. Et bon, je démarrerai le 5v5 un petit peu en retrait, donc ça c'est parfait, tout en étant dans le top 10, tout ça. Dans le top du bracket qui fait que j'ai des... Qui fait que j'ai les meilleures récompenses. La Hux, tu as encore Jika, Thanos avec une Padmé, ça passe bien. Bah non, il n'y aura pas Jika du coup, qui est parti dans la Qui-Gon pour un fail. Non mais on... Là, le truc, c'est... Qu'est-ce qui fait vraiment la diff de tout ça? Parce qu'en gros, bon, Raphaël, c'est vraiment ce... comment il s'appelle? C'est Tusken, quoi, qui sont absolument dingues, quoi. Ces Tusken sont ouf. Complètement ouf. Les Tusken sont vraiment trop forts. Genre un machin comme ça, là? Où sont mes chasseurs de primes? Est-ce qu'on y reste griffe? Genre un truc comme ça là? Je sais pas, j'ai la flemme de réfléchir. Ça m'a gavé. Enfin, ça m'a gavé. Non, c'était pas le bon contre. C'était pas le bon contre. Il fallait un petit peu plus réfléchir. On avait le temps, je pense, de réfléchir un peu plus. Bah tiens ça, si on lui retire son avantage, ça peut être pas mal. Voilà. Ça c'était pas la meilleure idée de faire ça. Non, ça non plus. Ouais, je vais mourir de là-haut derrière, je pense. Ah, ça va. C'était pas ouf ma stratégie. C'était pas ouf du tout. Mince, je pouvais ignorer ça. Ok. Ah, le taunt, il va pas faire plaisir là. Bon, de toute façon, au point où on en était, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je faisais. Pourquoi j'ai fait les oiseaux? Il fallait que je garde l'immu pour qu'il galère. C'est le petit... Non, on est sur la fin du compte principal, mais c'est perdu. C'est perdu. Il fallait pas fail et faire des bannières. Des bannières assez élevées, mine de rien. J'aurais dû faire ça d'emblée en fait, je suis en train de me dire. Cette dash, ça reste quand même. Dash au micron, ça reste super fort, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Est-ce que la dash aurait pu. C'est ce que j'étais en train de me demander, je pense pas. Je pense pas. Si Marc Levandor, c'est relou, je pense pas qu'il y ait le DPS pour passer à travers la protop, tout ça. Je pense que ça aurait été assez compliqué. Non, je suis en train de me dire que la Padmé peut un peu faire des trucs. Dash en def, ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Il y a, ça consomme, il y a, ça, tout ne compte pas ça, donc c'est pas mal. Peut-être ça aurait pu le faire. Peut-être ça, je sais pas, on va voir. Fait. Ouais, dash, il n'y a pas non plus 36 comptes, donc je pense que c'est une idée intéressante à avoir. Qu'on va voir. Bon, là, après, il y a pas mal attaque au retour. Peut-être ça, c'était pas mal. Rotation de délai, tout ça, machin. Après, il y a le. Oh, mais j'ai pas vu, j'ai l'anti-buff de partout. C'était nul de faire la réduc. J'avais des anti-buffs de partout, donc c'était bien naze. Mais ça, il y a peut-être moyen d'outspeed, par contre, pour le coup. Pourquoi on met Gideon? Gideon, quand il fait sa spé là que j'ai fait, il réduit la jauge de tout le monde. Mais nous, on est immunisé à la réduction de jauge. Oh, j'ai l'anti-buff de partout. Ah ouais, non, mais c'est la cata. Il réduit la jauge de tout le monde.
Donc toi t'es immunisé à la réduction de jauge, donc tu gardes ta jauge pleine. Et il donne de la protop en fait. En pas de mélide, la protop se transforme en courage et donc fait énormément de DPS. Voilà. Ouais. Bien écoutez. Il me restait qui comme Jedi, c'est ça voilà, que je voulais voir. Après, un GK aurait pu être pas mal en fait pour le tank ou même le vieux Ben. Le vieux Ben aurait été pas mal. Ability block, taunt, bonus si ça meurt, TM et tout. Le vieux Ben était vachement mieux que JKR. Mais en plus, on est bête. Enfin, on est bête, je suis bête. Mais patron, t'as dit, j'ai fait JKR, Hermite et Windu. On a dit, on a JKR, autant servir de JKR. Mais en fait, c'était pas. Ouais, on s'est dit, ah ben le perso est plus fort dans l'absolu. Mais c'est pas parce que le perso est plus fort que d'un coup, ça en faisait un truc incroyable, quoi. C'est un peu une erreur que de penser ça. Ok, je sais pas, on va balancer ça histoire de faire quelque chose avant. C'est si fort, ça a l'air d'une petite énergie quand même. Ouais, non, c'est en fait, ça permet de one-shot tour 1 ou presque, quoi. C'était une fois de plus une erreur. Bon, là, en plus, avec le TM, c'est chaud patate. Je vous avouerai. Ah, mince. Oh, je fais de la merde. C'est... plus, ils vont résister toute la plague, donc je pense que ça va pas être ouf. J'ai pas l'Omicron, j'ai pas le Datacron. Je pense que c'est un peu de la dôme. Ouais. Puis il y a trop d'équilibrage de santé qui pourrissent la plague. Là, dès qu'il fait un swap, ça va être terminé. Voilà, hop, full santé et c'est terminé. Mais mais patron, on aurait dû. J'aurais dû rester sur cette idée que t'avais fait parce que le JKR n'a. En fait, il a été un poids parce qu'il est mort sans rien faire, quoi. Au moins, le vieux Ben aurait filé des boosts, aurait pris de la jauge, aurait pu prendre un tour avant ou quoi. S'il se faisait marquer, il aurait mieux tanké JKR. Et pourtant, mon JKR est modé plutôt tanky. Il aurait pu tanker un peu, mais non. Thérèse des Inquisiteurs, Reva est en dev. Donc, non, il doit. Et en plus, mes autres Inquis sont en dev, je crois. Ah non! Pas trop ce qu'on va en faire. Je suis pas persuadé. La team est forte, une bonne team de défense. Si en fait. Après on peut refaire 25 fois le match, ça sert à rien, c'est un peu con. Mais en vrai, il y a une idée qui aurait pu être bien, c'est de garder la JML pour ça et de faire. Et de faire JKR sur la Qui-Gon Jinn, qui était tout à fait possible. Qui était tout à fait possible, quoi. C'est... Ouais. Alors en plus, avec le TM, c'est la lose. Voilà, clairement, s'il avait fallu win, si on avait fait le fail avant, j'aurais effectivement tué le JKR et laissé... éviter que le Jolly fasse le revive. Et on aurait repris ça tout tranquillement, on serait passé en deux sans souci. S'il n'y avait pas eu ce fail sur les Tusken avant, on aurait pu bricoler un truc comme ça. Je sais pas si ça va quelque part ce contre, très honnêtement. Ça clean la purge tout le temps. C'est pas incroyable. Non, la team est forte, puis Datacron avec beaucoup de dégâts critiques, ça a fait aussi que le JKR a sauté extrêmement vite, quoi. Non, un GK avec anti-crit. Je pense que c'était ça. Vieux Ben ou GK avec anti-crit, ça aurait été super bien d'avoir ça. Alors bon, avec la marque et l'anti-buff, il n'aurait pas pris, l'anti-crit. Mais la solution était peut-être là. Ok, bon, bah écoutez, en plus, on clean pas. Au-delà de ça. Écoutez, on va couper le replay. Merci YouTube d'être allé au bout de cette vidéo. Désolé, ce ne sera pas une victoire. Mais ça promet un 5v5 où on va pouvoir, comme d'habitude, dire qu'en fait on est derrière et c'est bien, et perdre le premier match.